Ma grande sœur Uno, Marlène, elle a disparu. Attends, on vérifie si ma grande sœur là. Parce que mes grandes sœurs là, ça veut disparaître. Après, elle vient nous insulter. Ma grande sœur a disparu. Elle est même au courant qu'il y a deuil. Parce que ma grande sœur là, c'est une féministe. Ma grande sœur a disparu. Ma grande sœur là, elle est au, work. Après, elle va revenir encore. Est-ce qu'elle est même au courant, la féministe? Attendez, on va vérifier. Ma grande sœur a disparu un jour. Elle est où, non? Elle a bipé, pardon. Marlène. Bonjour, mon Albert, chéri. Hein? Je t'ai vu. Je t'ai... Hein? Ma elle est... Ah bon? Parce que je viens de donner le secret des gens ici, là. Maintenant, ça devient un problème. J'ai donné le secret des gens. Bien, ami. Elle n'est pas go walk, elle va go après. Malin, tu es forte. Tu es forte dans le Congo, ça. Ça, Malin. Ça sera difficile que ma grande soeur go encore parce que j'ai à dévoiler les choses. Ça sera difficile. Venons, on parle pas du chagrin d'amour. Ah ben, vous les briseurs de cœur là. Venez, on parle du chagrin d'amour, les filles. Il paraît que ça tue. Donc, faites attention. Il paraît que ça tue. Quand l'univers du gars est plus fort que toi, fuis. Quand son univers est plus fort que le tien, fuis. Aïe, ça tue, oh. Les manipulateurs. Les manipulateurs émotionnels. Faites attention, les filles. Depuis que j'ai fait cet indirect, j'ai compris, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de blogueuses et de blogueuses qui essayent déjà à suivre. Tandis qu'on ne prêche pas dans les oreilles de sourds. Tu as même encore le même nombre. Oui, je n'ai pas changé de nombre. J'ai deux numéros. Celui de l'Allemagne n'est pas changé. Elles comprennent déjà que non. La femme doit valoriser son corps. J'ai remarqué que beaucoup là, elles comprennent déjà que ce n'est pas un homme qui doit valoriser ton corps. Ce n'est pas un homme qui doit te valoriser. C'est toi qui dois te valoriser. D'abord, auto-valorisation. Il paraît que le chagrin d'amour tue. Il paraît que ça tue. Donc, attention à vous. Il paraît que quand tu aimes trop un homme, là, ça te tue. Amandine, tu es au boulot, ma soeur. Moi, je repars à 15h, là. Partageons le direct, on parle un peu du chagrin d'amour. Il paraît que ça tue très mal. J'ai encore écouté une émission sur YouTube. C'est là où j'ai compris que l'amour tue plus que tout. Parce qu'elle a eu là, il n'y a pas de différence avec le poison. Pour le meilleur et pour le pire, je dis non. Paix à ton âme, la mère. Refuse de te marier pour souffrir. Tchai! On peut mourir comme ça. Ne pensez plus au temps perdu. Pensez au futur. Ne pleure pas le temps que tu as passé avec un homme. Assez souffert. Ton univers est plus fort que le mien. Quand c'est fort, tu pars. Et ne pense plus. N'y pense plus.
Oui, ma belle, je vais le faire. Tu sauras vivre à mes côtés. Personne ne peut te consoler que toi-même. Il n'y a que toi-même. Oh là là. Ma moitié. Oui, je te rappelle, j'ai lancé un petit direct là. Pardon, reparti bosser, je te rappelle tout à l'heure. Tu as vu mon message hier? Ok. Il n'y a personne qui peut te consoler. Qui saura vivre l'amour? Qui saura me consoler? Personne, toi-même. Qui saura vivre à mes côtés? Tu es le meilleur compagnon de toi-même. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a personne, même le psychologue. Il ne t'aide que quand toi-même tu veux être aidé. Si tu ne veux pas t'aider, le psychologue ne pourra pas t'aider. Donc, bonjour à tous. Mes soeurs, je fais un petit direct pour qu'on parle, comme d'habitude, du chagrin d'amour. Des bourreaux, des manipulateurs émotionnels, des briseurs de cœur. Vous comprenez, non? La mort de notre grande sœur ne doit pas passer inaperçue. Quand je pense à elle, j'ai mal. Quand je pense à elle, j'ai mal. Une femme de cette accablure. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai très mal quand elle pense à elle. Je me dis non. Nous devons dénoncer. Parce que moi, j'ai un fort caractère. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le même caractère que moi. Il y a des femmes qui ont besoin qu'on les aide. Je connais des femmes qui n'ont pas le caractère que j'ai. Qui n'ont pas l'affront que j'aime, que j'ai. Elles ont besoin d'être boostées. Elles ont besoin des gens autour d'eux pour leur faire comprendre que tu es mieux que ton gars. Tu es mieux que celui avec qui tu vis. Elles ont besoin de leur faire comprendre que ta vie ne donne même pas ta vie pour ton Mouna. Vous allez vous suffire, peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Ne donne même pas ta vie pour ton Mouna. Parce qu'avec les enfants qu'on a menés en Europe, tu peux souffrir pour un enfant, demain même c'est lui qui t'abandonne avec sa femme. Mais ça m'arrivera pour le nom de Jésus. Quand je pense à la grande sœur, je n'en reviens pas. Chagrin d'amour. Manipulateur. Mais sauf dans les relations avec des hommes. Mais vous n'arrivez pas à discerner avec qui vous vivez. Vous n'arrivez pas à discerner l'homme avec qui vous vivez. Il vous fait croire dans sa tête. Il vous fait croire dans votre tête. Que vous, quand vous commencez à constater sa manipulation, il vous fait croire que vous êtes dans des illusions. Il stérilise ton cerveau. Il anesthésie ton cerveau. Tu as l'impression que c'est toi le problème. Pourtant, ce n'est pas toi le problème. Voilà une grande soeur qu'on l'a pris dans le exé. Parce qu'on n'est jamais assez fort. Hein. Même moi qui vous parle, j'ai un fort caractère. Mais je peux tomber dans l'exé qu'un homme me prend, je me perds, je m'oublie. Mais la seule chose qui peut me sauver, c'est que je n'ai pas honte. Je suis une fille qui ne connais pas avoir honte. Je suis quelqu'un qui parle. Quand je vais mal, je prends mon téléphone, j'appelle, je dis. Si tu me gifles la nuit, je n'aurais pas honte d'appeler mon petit frère. Ou alors mon frère, ou alors mon grand frère pour dire que telle personne m'a giflé. Mais il y a des femmes pour leur ego. Elles ont honte d'appeler peut-être le frère ou bien la copine pour dire, comme tu vois là, je vis le feu dans cette relation. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a certaines femmes qui comprennent que l'homme ne passe pas avant moi. Comme l'homme aussi va dire que toi, la femme, tu ne passes pas avant lui. C'est réciproque. Ça me fait plaisir d'entendre il y a certaines femmes dire que moi d'abord. C'est-à-dire qu'elles ne couvrent plus leur bourreau. C'est-à-dire que quand le bourreau prend le verre comme s'il casse, elle appelle que mon gars était énervé tellement hier qu'il a cassé un verre. Ça commence par le verre qu'il brise. Ça commence par le verre. Quand il brise un verre, ça veut dire qu'il ne contrôle plus sa colère. C'est dangereux. Si vous avez un problème, il prend un verre, il frappe contre le mur. Ça
commence à t'inquiéter. Parce qu'il ne contrôle plus sa colère. Ça devient dangereux. Parce qu'un homme, un vrai homme, ne peut pas faire ça. Si tu as ton compagnon, vous avez un différent à la maison, il prend le verre, il en vaut mieux. Commence à t'inquiéter. Commence à réfléchir. Fais-le asseoir. Vous discutez. Commence à t'inquiéter. Ne négligez aucun détail. Il y a ma coach qui veut parler. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, ma personne? Merci, toi. Ouais. Eh, c'est dommage que tu ne sois pas venue faire le challenge. Hein? Ah. Ouais, tu sais, comme j'ai le bébé, je sors, je reviens. Là, maintenant, je dois repartir à 3 heures. Moi, j'ai pas vu le direct, là. Ça m'a échappé. J'ai pris ton direct, là, maintenant. Vous parlez de quoi exactement? Je viens juste de commencer, hein. Ah, je voulais juste faire un petit direct pour parler du chagrin d'amour et bref des relations toxiques, quoi. Bah, tu sais que les relations toxiques en Afrique, c'est un jeu. Ça commence toujours par un jeu et ça se termine toujours par un drame, malheureusement. Mais c'est toujours ancré, c'est tellement ancré dans notre culture que même les femmes passent leur temps maintenant à taper aussi sur leurs hommes. Parce qu'il y a l'avant-couvreur, le mec qui commence à s'énerver, qui parle trop fort dans la maison. Même si dans notre culture, entre guillemets, c'est l'homme qui doit parler fort puisque la femme, il y a un moment où on doit lui faire comprendre que bah, tu ne tapes pas sur la table, quoi. Il y a un moment où il va faire sans le vexer, parce que on a sans le vexer, dans le respect. Voilà, dans le respect. Moi, je suis, je veux dire, dans mon couple, beaucoup de gens croyaient peut-être que moi, j'étais celui qui, ou celle qui porte la culotte dans la maison. Non, il y a des choses que tu dois faire, des choses que je dois faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Donc maintenant, si vous avez cette base-là au départ, parce qu'au départ, ces choses-là n'étaient pas là. Tu vois un peu ce que je veux dire? Au départ, ces choses-là n'étaient pas là. Moi, quand j'étais petite, je voyais au Cameroun, il y avait des gens. J'avais un oncle qui tapait sur sa femme. Quand on allait récupérer sa femme, elle était cassée de partout. On va l'amener à l'hôpital, on va la rafistoler. Le lendemain, ils sont ensemble. Et deux jours après, c'était la bagarre, la bagarre, la bagarre. Mais notre génération qui a suivi derrière, je veux dire la génération, par exemple, de ma mère qui a suivi derrière. Ma mère, c'est une tête brûlée. Donc, elle n'a pas le temps. Tu veux lever la main sur elle, elle va te dire, bon, ben, au revoir. Elle t'abandonne avec les enfants, elle se casse, elle s'en va. Où elle essaie de placer ses enfants chez ses frères ou un truc comme ça, elle n'a pas le temps. Et il y a ces femmes-là qui sont courageuses, qui ont réussi et qui, après, récupèrent ses enfants et font ce qu'il y a à faire. Donc, le mari va se retrouver tout seul. Il ne cherchera pas à venir parce qu'il est en tort. Mais la nouvelle génération, moi, j'ai remarqué que beaucoup de nos filles africaines sont pressées d'aller se marier. Ah ouais? Moi, ouais. Elles sont pressées d'aller se marier. Est-ce que le mariage est une fin en soi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie d'être seul? Est-ce que ce n'est pas la famille qui met la pression pour voilà, que qui te mette la pression pour que la femme soit aille en mariage? Est-ce que il y a les histoires de dot là et tout ça? Est-ce que on ne devrait pas revoir comment c'est les dots, parce que quand on arrive dans la famille, même si les deux s'aiment, il y a toujours une famille d'un côté qui va vouloir dominer celle qui est dans la maison. C'est injuste. Ça encourage les hommes à avoir des ailes et qui se croient tout permis, et même les femmes, hein, parce qu'il existe des hommes battus. Hein. Il existe des hommes battus. Voilà. Mais moi, je parle des femmes battues aujourd'hui. Voilà. Donc, je parle des femmes battues parce que je voulais situer un peu par rapport à notre grande sœur qui est décédée, quoi. Elle n'était pas une femme battue, selon, bref, on n'a jamais entendu qu'elle a été battue. Est-ce qu'elle a subi? Certes, elle avait quel âge?
Je crois plus de 50 quand même. Oui, elle a plus de 50 ans. Bon, je vais la placer dans ma catégorie. On va Ouais. dire, quand on arrive à, dans ce cas-là, je vais la comparer à moi. Moi, je suis dans son âge. J'ai deux enfants, ma fille a 30 ans, mon fils a 20 ans. OK? Quand on arrive à... J'ai entendu hier des conneries qu'on racontait un peu. Quand on a 50 ans, on ne tombe plus amoureux quand on avait 20 ans. Maman, mes amis, je vais vous dire une chose. Quand ça vous arrive, ça ne vous prévient pas. C'est ça. L'amour, c'est comme la mort. C'est L'amour, c'est ça. comme la mort. Quand il vient frapper à la porte, tu es obligé d'ouvrir. Il y a ce quelque chose qui fait que. Et quand tu es dedans, tu ne peux pas. Tu es heureux. Même si il y a quelque chose qui ne va pas, tu fais tout pour que ça aille. Tu fais Donc, tout, tu te donnes, tu te donnes. exactement, Tu tu te te donnes vraiment à sacrifies, fond. tu te Voilà. sacrifies. C'est que. Même l'homme de son côté, bon, on a nos hommes qui sont très frivoles. On a aussi, il ne faut pas oublier, qu'il y a nos hommes qui sont frivoles. C'est un jeu qui était. C'est-à-dire que nous, on ne peut, les personnes qui sont en train de juger ne peuvent que se permettre de juger la surface de ce que eux, ils voyaient. Ils ne peuvent pas se permettre de la surface de quand on a fermé la porte, qu'est-ce qui se passait derrière? Parce C'est qu'il n'y avait ça, personne derrière. Tu ça, vois? c'est ça. Et là, on ne peut pas juger. Il y a trop, 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 trop de choses derrière qui se passent. Vous savez, quand on ferme nos clés, là, la porte, elle est fermée, là. S'il y avait 20 personnes, quand tous les 20 personnes vont partir, on ne restera que nous deux. C'est qui se C'est passe entre ça, la et c'est là personne où et moi, s'installe la manipulation émotionnelle. C'est quand vous Voilà. êtes deux, c'est là où s'installe la manipulation émotionnelle. C'est à ce Et tous moment-là. les deux, vous êtes complices d'avoir caché vos émotions devant les gens. Parce qu'au Exactement. moins devant les gens, il y aurait eu quelqu'un qui serait venu te dire, franchement, comme tu vois, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Le mec va dire, non, c'est elle qui va chercher à chercher. Et là, il y aura des gens qui vont arranger. Mais quand vous fermez votre porte et que vous essayez de tuer l'abcès dans la maison tous les deux, le lendemain, quand quelqu'un Mon vient coach, vous rendre excuse-moi, visite. mais généralement, ces hommes qui manipulent, qu'est-ce qu'ils disent généralement? C'est que pourquoi tu exposes nos problèmes intimes aux autres? Pourquoi tu m'exposes chez tes amis? C'est ça souvent leur mot. Ils commencent à te culpabiliser. D'accord? Ils te disent, pourquoi tu m'exposes? Pourquoi tu ne me protèges pas? Et là, tu te sens coupable. Oui, mais ma chérie, il y a coupable jusqu'à un certain niveau. Non, Toi, mon coach, je ne parle pas de moi, je parle de certaines femmes qui en oui, souffrent. Parce que moi, je m'en fous, oui, hein, je te parle tout. femme qui en Je peux même souffre, parce t'appeler que pour te dire que coach, mon gars m'a fait ceci. Moi, je suis une fille qui est libérale. Hein. Je oui, suis une anticonformiste, moi. ma chérie, Mais je tu ne vois, parle moi je pas vais te des dire, femmes qui vivent ce cas-là, parce que ça existe, quoi. moi je vais te dire, je vais te dire pire, tu me donnes un coup, moi je laisse, je fais genre. Toi, tu es en train de gonfler, tu dis, ah, je l'ai sapé, je l'ai tapé, elle va se calmer maintenant. Mais moi, j'attendrai quand tu dors. J'entre à la cuisine, je prends la poêle que tu es en train de ronfler. Je viens te donner ça juste dans l'oreille. Quand tu vas Non, te réveiller, tu ne vas pas faire ça. ça je déconseille, mon coach. Ça, je déconseille. Ah Parce oui, ah que sa oui. colère peut le pousser à faire. Tu n'es pas quand même plus forte que lui physiquement. Je suis peut-être. Non, il faut que je lui rende le coup qu'il m'a donné. C'est écrit dans la Bible, c'est à ton ennemi, ce n'est pas à ton mari, qu'on dit Oui, j'ai que compris. Mais taper est-ce qu'après, tu et pourras tout tombe. supporter le retour? Le retour, Ben mais oui. le coup qu'il a eu là, il comprend que la femme peut rendre aussi. C'est pour lui faire comprendre que ce que tu m'as fait là, je vais te rendre. La prochaine fois, quand il va faire ça, il ne va pas dormir. Donc, rien de savoir qu'il ne va pas dormir, il ne refera Oui, mais plus. est-ce que tu es prête à supporter sa réaction après avoir reçu un coup Ah de bah oui. poing à l'oreille? Tu es prête à supporter son coup de Oui, poing oui, oui, après? oui, 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 oui. Si son coup de poing vient là, parce que quand j'ai sorti la poêle, je ne sors pas la poêle pour rien, mon ami. Parce que j'ai sorti la poêle, il y a les autres C'est pour des trucs dans le côté. l'assommer une fois. Non, ce n'est pas pour l'assommer, c'est pour lui donner une leçon. Là, tu donnes comme tu. Il va vraiment avoir mal. Ce n'est pas la petite gifle qu'il t'a donnée et que lui considère ça comme une caresse. Lui considère ça comme une caresse. Parce que notre culture nous dit quand ton mari te parle, tu dois te courber, tu dois venir masser son pied. Pourquoi je vais masser son pied? Il est handicapé. Non, mais Tu masses mon quand il y pied. a amour et quand il y a respect, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas masser le pied de Oui, mon mari, ma coach. mais notre culture nous dit, nous c'était automatique.
Je voyais mes grands-parents le faire. C'était automatique. Dès qu'ils rentrent du travail, ben, en même temps, ces femmes revenaient aussi du travail. Moi, je voyais mes grands-parents le faire. Ils rentraient du travail, tout le monde rentrait du travail. Nous, les petits-enfants, on courait pour enlever les chaussures. On se battait même pour enlever les chaussures. Et après, quand on commençait à masser, on dit non, non, laisse, c'est elle qui va masser. Elle massait. C'était quelque chose de normal. Pour te dire que moi, quand je suis allée dans mon foyer, j'ai fait la même chose. Tu vois, je vois mon mari, je viens du travail, il sort du travail, je viens, je mets une bassine d'eau tiède avec des essences là-dedans. J'ai dit, vas-y, repose-toi pendant que je fais couler l'eau de la baignoire. Je mets le sel, tout, tout, va te laver et tout. À quel moment on fait pour moi? À quel moment on fait pour moi? Parce que vous arrivez à une autre époque où quand ton mari te masse la main gauche, toi tu lui masses la main droite. Oui, mais peut-être tu te marches peut-être pas les pieds, mais peut-être tu fais souvent les petits Oui, mais cadeaux pour sortir un amoureux. à notre époque, c'était encore mature, ma chérie. Ce n'est pas parce qu'on est en force. À notre époque, c'était encore mature. Mais je parle des hommes en général, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, tous sont pareils. Sauf que le moule est un peu tordu d'un côté, le moule de l'autre est droit, le moule de l'autre est machin. Ils sont sortis tous dans le même moule. C'est-à-dire, la maman, elle s'est assise, elle s'est couchée, elle a ouvert les jambes et l'enfant est sorti dedans. Tu vois. Donc, du coup, tous ces hommes-là, c'est comme s'ils sortaient du ventre de leur mère avec un manuel dans la main. C'est comme s'ils sortaient avec un manuel dans la main. Est-ce qu'on est en phase où c'est vrai que la femme est plus fragile émotionnellement que les hommes? C'est vrai, comme je disais hier, le stress n'est pas bon. Le stress ne vous rend pas lucide de ce que vous faites. Donc, au maximum, quel que soit le cas, l'endroit où vous vous trouvez, faites tout pour être déstressé avant de rentrer à la maison. Vous serez lucide. Si vous rentrez à la maison avec la rage du boulot, avec la rage, parce que vous avez la rage au boulot, vous pensez déjà, quand je vais arriver à la maison, il faut que je fasse à manger, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe. Vous avez déjà deux rages qui arrivent parce que vous êtes pressé, vous êtes machin. Il y a beaucoup de choses. Mais ces hommes-là, Mais coach, attends, pour le cas échéant, par exemple, là, pour le Oui. cas de notre grande soeur qui est décédée. Je ne l'ai Oui. pas côtoyée, elle a mangé une ou deux fois dans son restaurant, mais à la voir, on sentait une femme, elle est une femme douce, même sa manière de danser. Moi, quand on me voit, on sent que j'ai du caractère, tout de suite. Mais elle, on sentait une femme douce. Oui. Comment expliquer que, après avoir vu cette vidéo, elle est choquée à ce point? Ça veut dire qu'il y avait déjà des antécédents. Voilà que les antécédents que personne n'a vus. Voilà. Non, mais non, mais attends, attends. Mais il paraît sincèrement que quand elle rencontrait les gens, elle parlait de son déboire, de ses déboires amoureux. Elle parlait Ouais, de la mais souffrance pendant qu'elle ce vivait. temps, oui. Elle parlait de la souffrance, elle parlait de ses déboires. Elle a dit, est-ce que ces gens-là ont fait quelque chose? Tu vois, That rêve, il y a quelque is the question. chose. Moi, je vais te dire, par exemple, à toi, si demain tu te vois confronté à ça, la première des choses, va voir un vrai psychologue. N'en parle pas à tes amis. Va voir un vrai psychologue. Ça va te coûter, c'est gratuit sur Paris. Hein. Je ne sais pas, tu es en Allemagne, toi. C'est gratuit. Tu vas voir un vrai psychologue. Là, il parle. Les amis, une amie à qui on vient raconter cette histoire doit juste écouter, ne pas te donner des conseils. Elle doit juste écouter, ne pas te donner des conseils. Elle doit te laisser Ah, vider ton aussi, il faut rencontrer la bonne amie. Hein. Non, mais écoute, il y a des amis qui peuvent donner des conseils. Ça fait peut-être mal. Peut-être l'ami qui donne les conseils s'y prend pas bien. Peut-être s'y prend mal. Mais le psychologue qui est justement. spécialisé. Justement, oui, justement, justement. L'amie, elle est là pour te prêter son épaule, pour que tu lui racontes, tu lui racontes. Tu vas lui dire, ça va aller. Bureau. Tu vas lui dire, ça va aller. Tu lui diras, ça va aller. Ne lui pose pas la question, tu vas faire quoi maintenant? Non, je ne peux pas lui dire C'est ça va aller. Quand je me oui, rends compte que non, ça ne va pas, je ne peux pas lui dire que ça va aller. Je veux lui dire voilà. que tu es l'ombre de toi-même, ça ne va pas du tout.
Tu as un gros problème dans cette Ben, relation est toxique pour toi. tu Tu peux la lui dire ça crois, va tu aller. la crois. Mais c'est ça le mal avec les Africains parce que on essaye de. On ne veut pas blesser la personne. On dit non, ça va aller. Tu sais, les hommes sont comme ça. Il va Voilà. changer. Calme-toi. C'est ce qui s'est passé Exactement. avec la dame. Ben voilà. Ils sont, c'est-à-dire, moi je me vois mal. Je vais donner un exemple bête qui est arrivé à cette dame-là, par exemple. Un exemple bête. Dans ta maison, tu avais des enfants. Moi, j'ai mon fils de 20 ans là. Quand il vient, il y a un de ses collègues qui lui a fait telle ou telle chose. Moi, je lui dis pas, ça va aller. Je lui dis, je lui pose la question. Raconte-moi depuis le début, parce que je n'étais pas là avec toi. Je n'ai que ta version, je n'ai pas la version de l'autre. Raconte-moi, ça s'est passé comment? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux derrière. Tu vois? Parce qu'on juge, on juge, on juge. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux derrière. Et elle a raconté. Mais la personne à qui elle a raconté, est-ce que le mari est venu raconter pour qu'on puisse analyser les deux? Dire, bon, ben voilà, vous en êtes là. Voici, le mieux, ce serait que vous vous séparez. Ou le mieux, ce serait que, bon, ben, chacun prenne sa route. Ou le mieux, ce serait que vous vous mettez et vous arrangez. Pour qu'il aille chercher, je crois, l'histoire, c'est qu'il est allé chercher une autre nana, c'est ça? Oui, mais pendant la relation, il y avait l'autre nana, hein, mais il gérait les deux, quoi. Il gérait les Ben, il deux. gérait. Ben, voilà. Il gérait les deux. Donc, c'est acceptable. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, là, même on a porté les histoires du Cameroun pour amener ici avec. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, la polygamie, ben, vous faites la polygamie à la française. Donc, on a le droit d'avoir une femme et une maîtresse. La polygamie à la française, c'est ça. Quel est le chef d'État ici qui n'a pas eu deux femmes? Tous les chefs d'État Ça. français ont eu deux femmes. Donc, du coup, on copie. Mais le problème, On copie. c'est que la polygamie à la française, le français respecte la femme de la maison. Hein. C'est rarement de Oui. voir comment. Parce que l'autre dame, elle humiliait beaucoup la défunte. Disons-nous la vérité. Elle humiliait énormément la défunte. Énormément. Qui était marié dedans? Personne des deux n'était marié. Personne des Oui. deux. Mais la défunte était la première à connaître le monsieur avant l'autre. L'autre a eu, Bah. elle a fait un enfant avec, ou deux avec lui. Elle humiliait énormément la défunte. Celle qui est décédée avait les enfants avec lui. Non, c'est celle qui n'en avait pas. Voilà. Mais je ne sais pas. Pour moi, c'était déjà toxique dès le départ. Hein. C'était Si tu toxique dès acceptes. le départ. Voilà, C'est c'est ça. l'entourage. L'entourage, ils n'ont pas pu. Mais bref, c'est vrai que l'entourage, coach, ne pourra pas prendre la décision à ta place. Peut-être te dit qu'arrête cette relation et tout. Mais quand tu vois, par exemple, la vidéo du Cameroun, on sait très bien, ceux qui sont avec elle savent très bien que ce monsieur la trompe et qu'elle est mal dans cette relation. Mais dans la vidéo, on faisait que crier que Madame Salenko, Madame Salenko, on criait. Et toi, dans ta tête, tu te dis que non, il m'aime. Parce que les amis m'aiment, parce que les femmes ont l'impression que comme les amis de mon mari m'aiment, ça veut dire que mon mari m'aime aussi, ou bien mon copain m'aime. Non! Bah non. Le frère de mon copain peut m'adorer. Ça ne veut pas dire que mon copain m'aime de la même manière. Donc, Ah ouais. moi, je pense que c'est l'entourage de cette dame. Ils ne l'ont pas aidé comme il fallait. L'ont pas aidé. En même temps, les entourages ont fait ce qui était bon pour eux. Il ne faut pas oublier que Pour quand on a eux. des amis, Merci, coach. Pour eux. voilà. Ouais. Voilà. Et Ouais. ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à dire quelque chose de travers parce que c'est là-bas qu'ils viennent manger. C'est Voilà. là-bas qu'ils viennent, machin. C'est là-bas, donc ils ne peuvent que. Ils ne peuvent que. C'est Ouais, pour dommage. encourager la relation. Ouais. Voilà. C'est les amitiés par intérêt. Ouais. Il y C'est en les a beaucoup amitiés par à intérêt, tout Paris. simplement. Il y en a beaucoup Ouais. en diaspora. Oh, je ne te mens pas en Afrique aussi, mais c'est plus sournois. En Afrique aussi, mais c'est plus sournois. Il ne faut pas croire que c'est parce que nous on est ici et eux ils sont là-bas, c'est la même chose, mais Non, ils ont juste une autre manière. J'ai vécu en Afrique quand même. J'ai travaillé, j'ai travaillé au Cameroun, mais franchement, Mais vous êtes une c'est pas, autre moi je sais génération. pas, je sais pas. Ève, vous êtes une autre relation, vous êtes une autre, comment dire, une autre vague. Nous on est vraiment, je ne sais pas. Nous, on va dire qu'on est vos mamans.
Donc, nous, on est une autre génération. On est une autre génération. Sauf que c'est la même chose qui perdure. Et malheureusement, il y a trop de copinage ici dans les copinages qui ne servent à rien. Les copinages qui sont là, les copinages de breuverie, les copinages de la manche. J'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger parce que tu vois, je viendrai plus tard, nanana, machin, ceci. Je crois que cette maison-là, elle était faite pour ça. C'est la maison de crédit. Donc, c'est la maison Madame Jeanne. Tu vois, je ne sais pas si tu connais l'expression Madame Jeanne. Madame Jeanne, c'est là où tu as besoin d'un crédit, tu portes tous tes bijoux, tu apportes là-bas et on te donne l'argent en échange. Le jour où tu viens rembourser, on te rend tes crédits. Donc, elle était un peu bizarre, la maison Madame Jeanne, où tout le monde venait s'installer, manger, boire, je passerai payer plus tard. Ça, c'était des bons amis. Les gens ne crevaient pas faim à Paris parce que, voilà, on va aller s'installer là-bas et après voir ce qui se passe. Tout le petit truc, que le tout Paris allait s'installer là-bas. Donc, est-ce que les amis l'ont, même si les amis avaient su, les amis ne seraient pas allés lui dire ce qu'elle a vu. Elle a vu, et il paraît qu'elle a vu une photo de profil qu'il a Sur assuré. WhatsApp de la vidéo Voilà. de fiançailles. La première personne qui a vu la statue WhatsApp devait normalement faire en sorte que ce gars-là l'enlève immédiatement. Pour que le mec il puisse se permettre de mettre le statut WhatsApp, c'est tout simplement que l'histoire que nous, on ne connaît pas, la façade qu'eux nous ont fait voir, mais ce qui s'est passé derrière, on fait que peut-être qu'il a dit, je vais mettre la photo, je vais voir ce que tu vas me dire. Ah oui, c'est Ah oui, comme ça. ouais. Bah oui. Bah, sauf qu'elle, elle n'a pas supporté. Il faut savoir aussi que Vraiment, vraiment. les Camerounais ont des grandes gueules. Ah oui. Elle n'a pas supporté ça. Peut-être c'est ça Ça, aussi. Ah, c'est dur, hein? C'est pas. Oui. ça fait très mal. Mais moi, je pense que ce monsieur, il faudrait que les gens dénoncent ce monsieur. Ce monsieur est un manipulateur. Monsieur, non, je n'ai pas peur de le Non. dire. Ce Écoute, monsieur, non, elle a sa part de responsabilité vous de ne grande sœur. pouvez pas. On ne peut pas parler ça. Non, dans ce sens-là, je dirais non. Tu vois, moi, je dirais, ce monsieur, il a sa responsabilité. Les trois ont une responsabilité là-dedans. Puisque ça marchait bien aussi, le couple à trois. On est d'accord? Le couple à trois. Attends, mon coach. La dame, quand on la voit, c'est une dame. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et tout le monde n'a pas le même caractère que toi. Toi, tu es d'abord un coach. Tu es d'abord un coach. Tu es assez outillé. Tu as de l'expérience. Tu comprends? Mais tout le monde n'a pas le même caractère que toi. Il y a des dames qui ont peur de la solitude. Il y a des dames qui n'acceptent pas être vaincues. Parce qu'on parle de deux femmes qui se disputaient un homme. Et personne ne veut être vaincu. L'autre veut dire, je suis plus forte que toi. Que non, c'est lui qui, c'est moi qui l'aime. Ça devient, ce n'est même plus une sorte d'amour, mais ça devient une sorte de comment je vais dire ça en français? C'est-à-dire que Juridique, l'ego, ça devient. oui, mais juridiquement, le monsieur n'y est pour rien. Je ne Il n'a parle pas pas. juridiquement. Juridiquement, on peut pas la. Même juridiquement, mais ce que nous on fait là, c'est une erreur parce que je sais qu'on n'a pas cité son nom. Salenko, ce n'est pas son nom. Depuis que la vie ne peut m'amener nulle part, parce qu'il y a plusieurs Camerounais qui s'appellent Salenko. Mais. Parlons entre nous les Camerounais. Il faut stopper ce genre de manipulation. C'est un manipulateur. Ah Parce bah que oui. il savait qu'il y a deux femmes qui sont en compétition pour l'avoir. Et les Camerounais aiment bien ça. Ils s'assoient comme si les cartes sont gros ventre. Il sait qu'il y a deux femmes là-bas qui me disputent. Il est content de vous voir en conflit. Et c'est ça Ouais. le but de ce direct. Pour que les femmes sachent faire la différence. Ne vous mettez pas en conflit pour un individu. C'est ce que moi je veux faire comprendre aux gens, que Le je ne te mets problème. pas en couple avec une autre femme pour un homme, et vous deux, vous ne t'êtes même pas mariés. Et on connaît comment ça se passe à Paris. Les bagues de fiançailles que tu vois là, c'est elle-même qui part t'acheter dans la tombe, que met dans mon doigt, sur mon doigt. C'est elle-même qui part t'acheter les bagues de fiançailles là. Ah Elle oui. vient nous faire croire qu'elles sont fiancées. Tu comprends, coach? C'est elle-même qui part t'acheter les bagues, elle venait dans nos gares. Il dit que oui, je vais Mais même t'épouser, chérie. C'est que je t'aime bien.
Je n'aime pas l'autre machin. Tu m'as fait un enfant, mais je n'ai pas l'argent pour t'offrir la bague. Si elle est là, elle t'aurait offert une bague depuis. Elle lui donne là, il va acheter la bague, elle vient mettre la bague, comment crier. C'est scellé. Il est content parce que c'est que l'autre, quand elle va voir, elle va se sentir en danger et elle va doubler d'efforts pour la voir. Ouais. Elle va doubler Mais d'efforts pour la voir. C'est-à-dire malheureusement. que si elle faisait un poisson braisé pour lui, elle va faire maintenant deux poissons braisés avec tout l'amour et tout ce que ça comporte après le poisson braisé. Il est un pacha. Ils aiment bien ça. Oui, mais malheureusement, les femmes camerounaises ne vont pas s'arrêter à ça. Les femmes camerounaises ne vont pas s'arrêter. Ça ne va pas leur servir de leçon. Elles vont faire du cancan, elles vont dire, ben, si elles se retrouvent là, elles vont voir comme ça et elles vont se dire, oui, mais C'est ce que je elles suis vont en train se de dire. dire, Julie. Moi, je pense d'abord à nous. Parce que mon coach, la femme en Europe est très vulnérable. La femme, si tu n'as pas un mental d'acier, tu ne peux pas t'en sortir des griffes des manipulateurs. Si tu n'as pas un mental d'acier, il y a les femmes qui vivent la même situation au Ma moment où on chérie, parle. les manipulateurs, tu les trouves où? Les manipulateurs émotionnels. Les manipulateurs, tu les trouves où? Dans la société, Non, pas forcément dans la société. Je parle de nous, notre clan camerounais, là. On les trouve dans les bars. Ce n'est pas à ton boulot que tu as trouvé ton manipulateur. Parce que si oui, c'était à ton la société, boulot. puis dans les bars, oui, Facebook, les réseaux sociaux, Ah, quand Facebook, même je au suis pas boulot, on de. peut trouver un Mais manipulateur. Je attends, connais les gigolos VIP, hein. Il y a les oui, il y a gigolos les gigolos de la vie, VIP. mais au moins à ton boulot, il faut savoir qu'à ton boulot, à chaque étage, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, ce mec-là, méfie-toi de lui. À ton boulot, c'est ça. Mais toi, tu ne vas pas croire parce que tu es déjà dans ta lancée, mais il y a au moins une personne. Tu auras une deuxième personne qui va te dire. Et tu vas voir que le fait d'être avec lui, à ton boulot, les gens ne seront plus avec toi. Jusqu'au jour où tu sors avec. Et après, après, après. Et un jour, quand ça éclate, on vient te dire, je te l'avais dit. Tu vois? Mais quand tu croises quelqu'un dans un restaurant, dans un bar, dans un dancing et tout le reste, mais c'est pas la même chose. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il y a l'autre. Il y a les copains du gars qui vont faire en sorte que, comme le gars, il te veut, toi, vont faire en sorte que toi, tu sois avec lui. Donc, il y a Ils les vont te copains qui. maintenir, comme ce que les Voilà. gens l'ont, ils ont maintenu cette dame dans cette relation parce qu'elle Voilà. avait un restaurant qui leur servait de lieu Oui. de rencontre. Ils ont Voilà. maintenu la relation. Elle Voilà, a cru qu'on l'aimait exactement. On te maintient, c'est produit. dans leur intérêt à eux. Ouais. C'est plus dans leur intérêt à eux. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est l'endroit que tu fréquentes, qui tu fréquentes, comment tu fréquentes. Tu ne vas pas me dire que lambda, tu es à l'école ou tu es en train de faire une formation ou tu es à ton boulot, tu vas rencontrer ce gars. Ça existe, le genre de toxique. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, fais attention. Oui. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire, fais attention. Tu crois que le fait, je quitte peut-être du coq à l'âne, du fait que tu dis aux gens, à Paris, il n'y a plus de boulot pour les étrangers. À Paris, tu vas venir. Tous les migrants qui arrivent seront méprisés. À Paris, tu n'auras pas où dormir parce que tu vas dormir dans les tentes. Même t'as beau filmer les tentes à Stalingrad et leur envoyer, mais est-ce que ça va les empêcher d'aller se jeter dans la mer? Ça va pas Oui, mais il y a même les empêcher. non, mais écoute, ça n'empêche pas qu'il y a certains qui comprennent. Il y a certains qui, depuis qu'on parle, par exemple, de cette affaire de migration, il y a beaucoup qui ont peur de prendre la route quand même. Parce que d'autres se jettent dans la mer, pas parce qu'ils le veulent, mais tu es souvent obligé. Hein. Tu veux fuir Oui, la souffrance de l'autre je côté, parce qu'on sait suis ce qu'on d'accord, je traverse. suis d'accord. Moi, j'en connais un qui, quand je suis partie au Cameroun, il m'a dit, ouais, je voudrais aller. Je lui dis, n'y va pas. Il me dit, ben toi, tu es partie jusqu'à revenir et tu me dis de ne pas y aller. Je lui dis, moi, je suis partie, j'avais 16 ans. Je n'avais pas ton âge et mes parents étaient déjà là-bas. Et avant que mes parents n'y aillent, on venait souvent en vacances. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, donc je ne voyage pas dans le. Je n'ai pas voyagé dans les mêmes conditions que tu es en train de voyager. Tu as envie de venir, ben prends juste ton avion, fais juste. Moi, du moment où tu es déjà sur le territoire, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu n'es pas encore sur le territoire, moi je vois la mer là. Apprends alors à nager.
Parce qu'on pousse les gens dans l'eau. On mord les gens dans l'eau. On viole les gens dans les bateaux. On fait ceci, on fait cela. Il y a tout l'ensemble. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec une fille qui, elle, on a violé son enfant. Elle a attaché son enfant sur le dos. Pendant qu'il y avait l'arabe qui mettait son doigt dans les fesses de l'enfant. L'enfant était traumatisé. Arrivé en Italie, les Italiens voulaient prendre l'enfant, donner 2000 euros à la mère. C'est une dame qui est venue lui dire, non, 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 fais attention, parce qu'à minuit, là, ils vont venir chercher l'enfant. On t'a donné les 2000, non, à minuit, je vais te faire fuir. Elle avait un cancer, donc du coup, elle se retrouvait à l'hôpital avec moi. Tu vois? Donc, on n'explique pas ça. On n'explique pas tout ça aux gens. Que, comme tu vois, là, la traversée, elle est dure. Parce qu'une fois même arrivée, ça ne sera pas facile. Il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui vont être traumatisés. Et ainsi de suite. Pour en revenir vraiment à cette dame, moi, je trouve que sa relation était toxique. Que elle a. Je ne sais pas. Est-ce qu'on lui a pas lancé un truc pour qu'elle y reste? Est-ce Je que. dis que Parce que mon tu peux. projet parlait de ça l'autre jour, que les femmes, nous devons rester beaucoup, toujours à l'intimité, avec l'esprit saint, parce que même les hommes aujourd'hui pratiquent plus que les femmes. Ils vont Bah oui. consulter les marabouts plus que Bah les femmes. Parce que cette dame, de cette accablure, où elle était convoitée, elle était oui. convoitée. Mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi elle a signé dans une relation aussi toxique. Parce qu'à 50 ans, tu as pris le cœur d'une fille de 20 ans. À 5 ans, 5 ans, tu n'as plus le cœur d'une fille de 20 ans ou de 30 ans. Ton cœur se fragilise. Bah Le cœur se oui. fragilise parce que tu as rencontré plus de tu as rencontré beaucoup de chocs dans la vie. Et tu es Oui, une femme d'affaires. mais quand On tu connaît ce tombes, que c'est, le stress qu'il peut comporter. mais quand tu tombes amoureuse, tu as le cœur d'un enfant de 14 ans. Oui, mais le choc que ton cœur a déjà subi, celle de 20 ans n'a pas encore subi ça. Le choc émotionnel que ton cœur a déjà subi à 50 ans, une Ouais, fille de 20 ans ne l'a pas encore subi. mais la fille de 20 ans se dit, bon, ben, elle va aller chialer parce qu'elle va aller chialer 2 jours et après le lendemain, elle va trouver quelqu'un d'autre. Mais Donc, quand ça tu as veut 50 dire que ans, la femme de 50 ans croit que comme elle a 50, elle a peur de recommencer, quoi. Elle a peur de elle a peur de, recommencer. elle a peur de recommencer. Et il faut que, un moment, que les dames de 50 ans et plus commencent déjà à relativer. Mais on est dans Ben une oui. société où la plupart des femmes camerounaises vivent encore en communauté. Donc, qui dit communauté dit on vit encore comme avant. Je te dis, on sort On vit avec. encore comme Où est les avant. femmes de Paris? Tu vois un homme, il a sorti avec telle femme, tu la connais. Il revient, tu sors avec lui. Non, mais vous les achirez, vous les filles de Paris, là, dis donc. On doit même vous insulter. Vous venez, vous voyez, tu vois un homme. Moi, j'entends souvent les échos. Ils commencent même à citer même les noms des filles, là. Vous n'allez rien faire. Un homme, il sort avec telle femme. Tu as bien vu comment il a sorti avec la femme. Ce n'est même pas encore fini. Tu pars aussi, tu sors avec lui. Tu sais qu'il sort, vous discutez les hommes là même, c'est quoi, de même, même comment. Donc, il manque d'hommes à Paris. Oui. C'est ça la communauté. Dans la communauté, tu peux C'est voir ça la que telle a communauté, été, vraiment. telle a été, telle a été. La communauté, il faut de temps en temps aller dans la communauté, se prendre juste un bain de communauté et ressortir Ben vite oui. fait, aller vaguer à ses occupations. Vous n'êtes pas venu ici pour rester en communauté. Dans ce cas-là, tu restes en Afrique. Tu es venu ici parce que tu t'as dit que tu voulais faire, tu avais des ambitions quand tu as traversé pour dire que tu vas venir ici. Ton billet d'avion, là, ce n'est pas quelqu'un qui te l'a acheté. Tu t'es saigné pour l'avoir. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu te dises, je suis là, mais comment on fait maintenant pour avoir machin? Mais tu vois que les Camerounais sont là. Tu vas trouver un escroc camerounais qui va dire, viens, je vais te montrer le chemin. L'autre qui dit, non, ne passe pas par là. Mais comme l'autre a donné des arguments tellement bien, mais tu ne sais pas que lui, c'est un escroc, tu tombes dans le piège de l'autre, dans ce piège-là, parce qu'il va t'amener ailleurs. Et on va te dire, viens, le gars, il est bien, il est comme ça, il est comme ça. Tu arrives, ton corps, il bat la chamade, et machin ceci, et machin cela, et tu te retrouves, ah, en fait, je suis déjà avec quelqu'un. On t'annonce même deux fois, quand tu es déjà bien accro, alors que si on t'avait dit ça dès le départ, tu ne serais pas peut-être. Donc peut-être, est-ce qu'il ne faut pas disloquer cette communauté-là, qu'on se retrouve juste quand il y a les concerts, les machins, les trucs, les réunions ou un truc comme ça. Et après, une fois qu'on sort de là, voilà, on passe à autre chose. On va faire ce pourquoi on est venu faire. Ben oui. Et à ça aussi. Ah ouais.
C'est pour ça, les communautés, communautés, communautés. Ça marche très bien avec les gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais les gens, avec les Camerounais, ça ne marche pas la communauté. Les Camerounais, ça ne marche pas la communauté. C'est triste. Trop triste, trop triste, ma chérie. Trop triste. Eh oui. Eh oui. Faudrait refaire relancer le truc là, mais plutôt le soir, tu sais, quand ta petite a Oui, la parce que patte le va soir, j'ai le dormir. bébé. C'est parce que je vais reprendre tout à l'heure. J'attends que la dame me confirme. Je vais aller chez une cliente. Mais le soir, comme il y a le bébé, ça m'embête souvent. Elle crie, elle saute, elle bavarde et tout. Elle est un peu. C'est pour ça que je lance souvent tard, quand on est déjà au lit, quoi. Ok. Ouais. En tout cas, merci, merci, Cote, hein, d'avoir Bah, je t'en contribué. prie. Allez, Merci. go. Bon Merci. après-midi. Et pareillement, pareillement. Voilà. Donc, voilà. J'étais en train de dire que moi, je ne sais pas si les Camerounais vont permettre au monsieur d'assister au deuil. Parce que n'entendez pas les histoires que l'on m'avait dit que je suis fatiguée, je suis mort, elle est décédée, elle est morte. Il commence à faire comme s'il veut y mourir. On l'interne à l'hôpital, on l'interne. Il va même faire une semaine à l'hôpital. Mais vous aurez perdu votre mère. Qu'il prenne la corde, il mette au cou. Ça la ramènera pour votre maman. Donc, ce monsieur, Dieu, si vraiment tu as peur de Dieu, ne passe même pas le deuil là. Si tu as peur de Dieu, ne passe pas sur le deuil. Parce que tu as contribué. Elle a dit à tout le monde qu'elle vit la misère en couple avec toi. Et vous aimez voir les femmes africaines, surtout vous les hommes africains là. Surtout vous les hommes qui avaient une enfance difficile. Les hommes qui ont eu une enfance difficile. Les hommes qui ont travaillé, qui ont bossé et qu'on les a bindés en route. Que la rare, parce que la plupart des gars qui ont posé, elles vous manquent pas que la plupart, on les a binda par derrière. Disons-nous la vérité. La plupart des gars, parce que les Arabes aiment nous derrière. Les Kassa aiment nous derrière. Ils ont Tata les dit, me voit, parce que la discussion en direct. Il sait pas si elle est au courant. Je suis en direct. Qui va lui dire ça ici, là? Les Camerounais sont trop hypocrites. Vous allez faire même vos enfants, mais on va finir avec vos enfants parce que vous avez peur de dire la vérité. Je suis en direct, je suis en direct. Si tu as peur de Dieu, si tu as peur de Dieu, passe pour deuil de l'angala. Parce qu'on a entendu les histoires, tu as dit que wow, tu peux faire venir le corps ici. Maman, ça ne va vous servir à rien. Je m'adresse aux enfants de cette âme. Elle est à go. Donc même si on lui met tout l'or du monde sur le corps, ça ne servira à rien. Elle est à goût. Parce que même vous, les enfants, vous ne savez pas parler. Quand tu vois comment ta mère est dangereuse, parce qu'on m'a dit qu'il y a une de ces filles qui détestait le gars-là, je tiens un chapeau à cette fille. Je tire mon chapeau. Qu'elle mette le gars ou pas. Quand tu vois un gars qui dérange ta mère comme ça, tu entres dans la relation. Que ta mère soit contente ou pas, tu tombes dans la relation. Tu bagarres pour ta mère. Voilà un monsieur qui parle. Et je suis sûre que la bague de fiançailles, là, c'est l'angala qui a acheté, lui a donné, qui va me fiancer pour choquer l'autre gars. La bague de fiançailles, c'est elle-même qui a bail parce qu'on connaît les filles de Pago là. On les connaît. On connaît les filles là. Les vendeuses de piment là, on les connaît. C'est elle-même qui peut te payer les bagues même de l'audio. Vous comprenez, non? Il faut dire la vérité aux gens pour qu'on n'ait plus de morts pareilles. Nos soeurs sont frappées. Agile. Elles n'ont pas le même cœur que nous. Vous avez compris? Moi, pour qu'un gars chope mon cerveau, il faut du temps. Parce que quand j'ai porté la femme-ci de Kribi, de Douala à Yaoundé, ça a changé ma vision. Je me préfère. J'ai vu ma mère morte comme ça, grande de taille, belle. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme s'était avec moi l'autre jour, non? Elle m'a apporté le poisson fumé, frais. Mais comment la semaine s'est meurt? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que ma vie d'abord, ma vie passe avant tout. Après, mon Dieu, c'est moi. Jusqu'où je dois me sacrifier par amour? Par amour. On ne se sacrifie pas par amour. Ça doit être fluide. On ne donne pas sa tête par amour. Moi, je vais tout parler ça aux femmes. Rien, une femme va vous trouver un homme qui va l'aimer. Même si un gars. Après moi, tu n'auras personne. Tu es lassana, tu as les grosses vertus, ton corps tombe. Dis-lui qu'après toi, il y a un homme qui va m'aimer. Ce qui est sûr, c'est ça. Commencez la
d'abord à vous aimer votre propre corps. Parce que quand l'homme commence à vous manipuler, il commence à te faire croire que tu n'es personne à part lui, qu'il a eu pitié de toi pour être avec toi. C'est ça qu'ils sont. Il commence à te faire croire qu'il a eu pitié de toi pour être avec toi. Quand je parle, il y a plusieurs femmes qui souffrent, qui ont ce problème. Qui ont ce problème. Demain, viens faire la photo avec lui, il sourit. Il blague, il t'embrasse en photo. Mais ce que tu vis là-bas dedans, ma soeur, sors de là. Sors de là. Sors de là. Et si vous voyez votre soeur, votre amie, ayez le courage de parler. Vous êtes camoufle, vous êtes trop hypocrite. On peut faire ça à ma personne, je suis au courant. Si vous entendez qu'on a fait ça à une personne qui est proche de moi, sache que je n'ai pas vu. Je vois. Je finis la personne. Je fouille, je trouve son numéro, je l'appelle. Ah, ok. Tu comprends? Les amis de ce monsieur ont encadré, ils ont vitamisé. On dit quoi? Vitaminé. Ils ont encouragé une relation dans laquelle une femme était vulnérable. Parce que c'était votre monde d'amis. C'était votre pote. Vous n'avez pas peur de. Il n'y avait personne pour donner un coup de poing à ce garçon. Depuis qu'il fait souffrir, la fois, il n'y avait personne. Donc c'était seulement votre ami pour venir chop et boire. Il n'y a personne parmi vous pour donner un coup de poing que si tu la vois, change de route. Même si elle t'écrit, ne répond pas. Garde, tente encore. Il dit que même si elle t'écrit, bloque-la. Vous lui donnez un coup de poing que non, Manga, c'est pas mourir à cause de toi. Une femme qui parlait partout à tout le monde qu'elle voyait, elle dit que le père me dérange. Partout elle était, vous avez laissé la femme là pourquoi? Vous avez laissé pourquoi? Je prends Anna Patricia. Vous avez laissé la femme là dans ça pourquoi? Vous l'avez laissé dans ça pourquoi? C'était un point de repère, c'est vrai. Vous avez laissé la femme là pourquoi? Vous l'avez laissé pour moi. Allô, ma âme sœur. Ma âme sœur, comment on dit tout? Maman, ma belle, sa vie, ça va. Et dis, hein, tu es en train de faire un sujet, on dirait qu'on s'est entendu parce qu'elle vient de couper le live. Ah bon? Je disais que le chagrin d'amour tue. Oui, oui. Où j'ai dit que dans mon live, je disais que le chagrin d'amour tue. Il faut savoir à qui donner ton cœur. Quand tu vois que ça commence à déranger, il faut partir. Il faut partir. Parce qu'on m'a dit que le décès de Céline, ok, on dit que rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque et whatever. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de coïncidences. Elle est morte sous le son de l'eau qui dit « J'ai décidé de ne plus aimer les pleurs d'amour. L'amour donne le mal de cœur. Elle a dansé ça la veille. La veille, ça veut dire que c'est sur le dernier son sur lequel elle a dansé. Et la même veille, là, son compagnon demandait une autre en mariage. Et le lendemain, elle me dit, vous nous dites que l'arrêt cardiaque. La vraie voix a été provoquée de quoi? Qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque? Qu'est-ce qui a causé l'arrêt cardiaque? On ne refuse pas que ça ne peut pas être l'arrêt cardiaque. Mais c'est quoi les causes? Voilà. Rupture anévriste, comme tous les médecins en chef et autres, whatever, ils ont écrit. C'est quoi la cause? C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Qu'elle danse sur le son. Ça veut dire que quand tu voyais, elle était honteuse. Tu sentais comme elle pleurait. Danser, elle fait comme ça, elle pleurait. Incontrôlablement. Patricia, vous devez chasser le gars là du deuil. Quatre toc, pas nous toc. Maman, ça va où, moi? Rêve. Ou mais nous, on devait les chasser. Avant, une famille dit, maman. Avant, ma famille, ma bonne in Dieu. Maman est à Boubou. C'est vrai. Et moi-même, moi aussi, j'ai dit qu'elle est maman. Ah, vous aussi, même, toi-même, la fille. Un homme est en couple avec une femme. Il vient se demander, maman, tu penses que c'est une réalité? Elle-même qui a payé la bague, là, dis donc. Elle voulait choquer l'autre, dis donc. Elle a payé la bague, là, on connaît les filles de Paco. Elle est partie, baille la bague, là, elle me dit, non, là, que même moi, ça la bague. Je suis mon petit, je ne bats, c'est comme ça. Mais maman, moi j'ai dit toujours un rêve. Les gens, l'amour, on n'achète pas.
Oui, quand tu es dans une relation, maman, il faut savoir lâcher. Il faut savoir lâcher. Faut savoir, tu ne vas pas lâcher prise. Lâcher prise. Oui. Elles ont peur. Elles ont peur. Peur de quoi? Je suis avant que Yamou arrive aujourd'hui, j'étais seule. Non? J'étais seule. Est-ce que ça m'empêchait de faire quoi? Dans la vie, parfois, il faut accepter de laisser pas perdre. Vraiment. C'est souvent dur, mais vaut mieux souffrir un coup. Ce qu'elles oublient, c'est qu'il y a souffrir, mourir à petit feu. C'est être là, refuser de lâcher, s'accrocher, souffrir continuellement, que de souffrir d'un coup et passer non, à autre. Maman, ma soeur, il y a le moment où tu veux lâcher, c'est l'entourage même qui te maintient dans cette relation. Ils te font mais croire que non, ce gars t'aime. Tous les jours, j'ai dit ici que l'amour, c'est entre deux personnes. Quand on t'aime là, tu connais. Quand on ne t'aime pas, tu connais. C'est tout. Ce n'est pas l'autre qui va venir te dire qu'on t'aime. Toi-même, quand tu te sens aimé, rêve, tu connais. Un homme qui se dit le matin, quand il n'a pas dormi à toi, il se réveille, il t'envoie un petit message. As-tu bien dormi? C'est tout. Comment on m'a fait ce matin? On m'a envoyé le message que mon cœur, tu as bien, que j'ai, comment j'ai pris. Tu me rends, comment elle n'est pas bien dormi? J'ai bien dormi, mon chéri. Même s'il n'est pas là, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi. Parce que ses paroles sont rentrées dans ma tête. Il sera midi, le temps qu'il va se poser pour au déjeuner, il va te demander ta journée se passe. Les hommes pensent toujours que l'amour, c'est des mamans, c'est le sentiment, c'est les manières. Quand quelqu'un t'aime, tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Il se manifeste. Ce n'est pas ta copine qui vient à te dire que le gars la t'aime. Toi-même, tu sais intérieurement. Ça fait mal. Mais de dire comme ça, les gars du 17e m'ont appelé. Ils m'ont dit que je laisse ce que le dit le père en train de faire là. C'est moi qui l'aime, ma soeur. J'ai dit comment, pourquoi ils peuvent te tromper jusqu'à ce niveau? Pourquoi ils te manquent? Ma, tu sais, parfois un homme reste parce que tout le confort que tu l'apportes. Oui! Le confort. Oui! Tout le confort. Il avait quand même aussi, c'était quand même une femme de renom, hein? Et le confort aussi. Mes soeurs. Que chacun. C'est que cette histoire serve de chacune de nous. Que l'amour, en tout cas, Mbamela, Mengongo là-bas, il y a longtemps que j'ai compris. Il y a longtemps. Si tu parles avec ton frère m'avait brisé le cœur jusqu'à aller chercher le lac pour sauter dedans. Comme il est beau là. Ouais. Mais tu as le beau. Tu sais, comme le beau. Bref. Oui. J'habitais chez grands-parents, à la sortie de chez mes grands-parents, comme ça, comme quand là, il y avait un pressing. Ton frère sortait avec la fille qui traînait dans le pressing là. Quand je ne pas, il dit que c'est son ami. J'ai dit que, bête, j'étais encore jeune amour. Moi, il y a longtemps que les gars ont brisé mon cœur. Ton frère, c'est le gars qui m'a donné le wild que j'ai aujourd'hui là. Lui-même, il dit qu'elle est pas là. C'est lui qui m'a donné le wild. Le courage que je lui, c'est lui. Tu vois, moi, j'étais petite, je l'aimais de toute mon existence. Jusqu'à quand il passe, s'il te plaît, quand tu veux m'encore trop de ma vie, il te tape même encore bien. Je rentre, je dis à ma tante dit que ne le laisse plus venir, si elle dit oui. Demain, il vient, à l'époque, il conduisait une Mercedes, il vient, il fait pim pim, je pars jusqu'à ne regarde pas le derrière de ma tante. Quand elle revient le soir, elle veut parler de ma agla, tout ça, ce sont les effets de l'amour. Mais je dis toujours Dieu, mais je dirai éternellement Dieu merci. À Kouenda, parce que c'est lui qui a fabriqué le monstre qui est devenu aujourd'hui. Qui est aussi, bon, laisse-moi. Tu appelles même son nom. C'est lui qui me cache, lui-même il connaît. C'est lui qui a fabriqué le monstre qui est devenu aujourd'hui. C'est pour dire au fils que, maman, quand ça ne va pas, prends sur toi, tu pars. Tu pars, tu souffres un peu, tu pratiques la loi de Saint-Brieuc. Tu sais comment ça va demander. Tu vas souffrir, mais ça ne sera pas pour une longue période. Rêve, l'amour fait mal. L'amour fait mal. Tu dors, tu n'arrives pas à dormir. Au dernier lot, tu jongles même, tu ne dors pas. Tu es chou, tu ne dors pas. Seigneur. Le chagrin d'amour. Il n'y a pas l'âge. Maman, la femme, c'est pas le chagrin. Non, ne dis pas que j'ai l'âge. La femme, c'est une partie de mon cœur. Zéro chagrin d'amour. Zéro. Il n'y a pas d'âge pour le chagrin d'amour, ma soeur. Il n'y a pas d'âge. Tata Lydie, bonjour. Bonjour la mère des jumeaux.
Bonjour maman. Bonjour ma mère. Ok, je suis désolée parce que je voulais vraiment intervenir parce que l'histoire de celui que j'ai vécu ça ici à Paris, maman. Si la mère de David, ma copine Mamie n'habitait pas là, je mourrais. Mais je suis désolée parce que je suis dans les transports. Eric, en tout cas, tu connais mes dernières histoires. Maman, tu es avec un gars, il passe à des gens qui se mentent, comme il faut faire un arrêt pour le Kaolo. Alors que tout Paris savait qu'il se marie, sa famille, même, tu es dans la même maison que la personne, maman. Tu ne savais pas qu'il était dans la même maison avec une femme. Et il t'a dit qu'il va faire le mariage de Kaolo, pourtant que c'est le vrai mariage. Maman, et que c'est même moi qui devais gérer ça. Après, voir. Il va plutôt voir même mes propres gens à Paris, ma soeur. Il invite normalement ici au mariage à Lille. Maman, je suis. J'ai dit que j'ai eu le courage de me suivre parce que c'est moi. Non, c'est toi qui devais financer le mariage là. Est-ce que c'est moi qui finançais? Ce n'est pas que c'est moi qui finançais, c'est mon poignardé dans le dos alors que c'est pas qu'un vrai mariage. Il va se marier. Il va se marier pour de vrai, mais il te fait croire que. Ah, mais je sais pas que c'est pour le Kaolo que je me suis mariée. Maman, c'est dans la même maison et tout. En ce temps, les enfants sont en train dans ton dos, c'est les mêmes portes. Quoi, Céline, c'est ce que Céline a vécu la maman, je sais comment ça fait mal. Je dis que j'ai eu la chance d'avoir une bonne amie, mamie, qui m'a soutenue. Le jour du mariage, maman, je vois les gens qui étaient mes personnes, qui disaient que hey, voici mes vrais amis. C'est eux qui sont au mariage, le feu sort, maman. Dans deux c'est finalement marié. Oui. Je dis, le jour du mariage, nous sommes au courant, maman, tu es là. Je dis que c'était chaud. Mes vrais gens qui croient que mes personnes sont parties dans mon dos au mariage. C'était jusqu'à Saint-Denis du Bon. Les hommes, ils savent que tu n'as pas peur de l'homme. Et ils peuvent savoir tirer son cœur. Après ça, il revient. Hein? Après ça, il revient comme ça. Oui. Est-ce que vous connaissez même les gars là? Non, je suis passé comme une chose. Mais il a venu te dire quoi? Il a venu te dire quoi? Plus qu'il a fait prendre le départ que c'était pour les Kaolo. Oui. Donc il va revenir soutenir la thèse que c'est pour les Kaolo. Non, lui, c'est les filles à Paris. Elles ont peur de vivre seules. Elles ont peur d'être seules. Oublie ça. Et c'est dit, c'est de la magie. Donc, ça, c'est une chose. Je voulais vraiment intervenir parce que, après, j'interviens, il faut que je sois prêt. Attends, je te dis, hein. Donc, tu avais donné ton cœur, Joe, investi. Mais il passe par derrière, il dit qu'il faut qu'il se marie. Comme ça, il faut que le Kaolo. Mais peut-être que tu n'avais pas encore le Kaolo, non? Lui aussi, il voulait le Kaolo. Mais il parle pour se marier. C'est justement ce qu'elle te dit, elle. Lui, il fait croire à la reste que il met à des gros sommets, vu qu'on a choqué Kaolo. Que je n'ai pas le Kaolo, je choqué Kaolo. Pourtant, quand il se marie pour de vrai, tu ne comprends pas, hein? Le mariage de Kaolo, on invite les gens. Et en ce temps, même quand il est allé dans la maison, il dit à mon beau-père. C'est comme tu entends là. Il y a les choses ici. C'est un papa qui est. Il va faire un direct. J'ai parlé de ça. C'est un papa qui est trop lourd. C'est la même personne qui est trop lourd par rapport à un business que tu connais tous les deux. C'est qu'elle rêve. Il n'y a que Dieu la force. Parce que ce qu'on dit là, l'histoire était le cœur lâche là. Si tu n'as pas de chance. Donc, tu as ressenti la même douleur, ça faisait trop mal. Oui. Maman, c'est parce que je prends même l'histoire qui est au milieu, je te raconte au milieu. Si je commence au début, mais tu vas tomber. Si je commence au début, tu vas tomber. J'espère que tu ne lui dis plus jamais bonjour. Et puis moi, maman. Je suis guérie de mes blessures jusqu'à le feu sort. J'étais restée dernièrement, il m'a appelé fatiguée. Parce qu'on lui montre que j'ai depuis que je suis en France, depuis deux niveaux. Ça fait 10 ans au milieu. C'est le même numéro que j'ai. Il m'avait appelé, je n'ai pas pu m'envoyer un message par Messenger. Il y a une de mes petites à Paris qui m'aime beaucoup, Stéphanie. Tu la connais même, elle fait la rejoindre avec moi. J'étais assise à côté de Stéphanie, j'ai dit maman, regarde la malchance. Stéphanie me dit que ma grande soeur, si tu réponds, je ne vais plus jamais te saluer. Je dis à ma petite soeur, c'est tout moi. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Merde. Non. Bande de chouinard, je te jure. J'ai dit que l'histoire de Céline, j'ai pris la même. Est-ce que tu parlais de quoi? Le jour du mariage, il y a une fille.
Je n'avais aucun problème avec elle qui faisait la réunion avec moi. Elle est amie qui fait du avec moi. Elle poste les photos, elle poste pour que je voie. Elle poste. Maman, je rate mon palabre. Dès qu'elle retourne sur Paris, le père de son enfant qu'elle avait fait venir du Cameroun tombe. Maman, tombe, je ne l'abandonne pas avec lui. Et puis c'est tout. C'est Et pour moi, nous étions encore passable, tout pour elle. J'ai dit que ouais, la chicote de Dieu, la pire de Dieu. La chicote de Dieu. Elle voulait te choquer. Mieux tu souffres. Il y a même un autre fier du quartier là, avec qui je riais tout le temps, c'est salé. Il parle le faux profil, j'ai vraiment oublié. Il met le nom du faux profil là, Yako Saber. J'ai vraiment oublié le nom là. Il demande, donc il passe sur la liste de mes amis, il demande tout le monde en amitié, il demande l'amitié, toute ma liste d'amis. Donc il fait, il parle, il m'envoie les trucs, donc pour me choquer et tout, maman, comme Dieu fait faire les choses, c'est comme ça qu'il allait avec le faux profil là, quelque part, c'est un problème, on a attrapé tout ce que c'est lui, maman. Je lui écris directement, c'est, hé, hey, donc c'était ton fou. Alors qu'il était à côté de moi tous les jours, c'était comme si il avait de la peine pour moi. Benki, eh hey, non maman, je suis guérie de mes blessures, maman. Je suis debout plus forte que jamais. Aujourd'hui, là où c'est ma fille, il peut passer. Il ne peut pas passer. Il est derrière moi. Voilà. Voilà. C'est ce que je dis qu'il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Même si les amis vivent, si on croit que. Restez, si tu avais accepté, il serait revenu encore, il dit. Il va revenir, il va mentir, mensonge là-bas. Il va être avec toi. Il va mentir là-bas. Maman de Moko, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Je connais les gens, mais maman, le gars voulait encore revenir fort. Il a eu le fort. À un moment, c'est pour ça qu'on dit que le diable est fort. À un moment, je vous dis. Le diable est malin. Il n'est pas fort. Il est malin. Maman, j'ai dit que le gars là te manque comme ça, là, c'est comme s'il y avait le manque sur ta langue. Je te dis, c'est comme s'ils ont un produit qu'ils mettent sur la langue, comme ça, quand ils parlent, vous écoutez, c'est les gars, vous n'êtes pas bon de mensonge. Les gars camerounais avec le mensonge, pour ne pas tomber dans le piège, quand ils te manquent la première fois, tu dis que tu es un menteur, tu le tapes sa tête. Si tu es prêt, tu dis que non, dis donc, mal, les gars là mentent comme ça jusqu'à Jésus. Maman, il faut au Cameroun à l'époque là, il faut au Cameroun. Il revient. Quand il faut au Cameroun, il revient. Il me dit, j'ai vu un buffet. J'ai dit, avant une fois là, parce que quand il voyait au pays, c'est ça avec eux, je vais un peu masquer le truc que j'ai dit là. Il voyait avec ce que tu connais que les gars voyaient avec eux quoi. Avant là, il me dit, oh, j'ai vu un buffet, j'ai vu mes amis qui sont au pays. Les gars sont dans le sable, dans les camions de sable, les gars sont. C'est comme si tu avais fait les tontines, je considère bien les tontines. En tout cas, la suite, on va parler de la suite après, parce que c'est un gros parcours qui faut partir. C'est trop gros. C'est un gros chantier, justement. Mais je vais tout lancer direct quand j'ai une minute. Il fait, ok, t'as dit, je vais m'apprendre à lancer. Je vais dénouer. T'as dit que ce monsieur-là, il faut qu'il sache que. Il faut qu'il sache que il a poussé quelqu'un, même inconsciemment, à c'est-à-dire qu'il a créé le pire. Pourquoi tu mets le thème inconsciemment? Pourquoi tu m'as habillé ça? Rêve, j'aime pas les choses comme ça. Ma tante m'a dit tout à l'heure que peut-être qu'il envoyait ça, c'était pas pour la finie, quoi. Non, il a fait consciemment. Si tu es avec un homme, il va fiancer une autre et t'envoie les messages. C'est quoi le projet? Pourquoi ton inconsciemment, tu voulais faire la flamme. Non, le problème. Il voulait pas faire la flamme. Maman de Bogo, on ne sait pas ce qu'il a dit aussi à l'autre. C'est sûr que l'Angala a conditionné que, on sait comme ça au Seigneur. Il vient aussi, il ne pense pas à tout ce qu'il a déjà avec sa propre femme. Kevin, s'il avait te bloqué, Kevin, n'insulte personne ici. Il était obligé d'être avec elle, elle était obligée d'être avec lui. Pourquoi il gère deux relations? Les amis du monsieur, les amis de ce monsieur, c'est eux qui ont maintenu cette femme dans la relation. Parce que le jour du mariage, oh madame Saïko, madame, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous savez qu'il vit avec une autre femme? Mais maman, tu vois, ma rêve, oui. Il y a un continent qui s'appelle le 17e. Le 17e, c'est une galaxie, c'est une galaxie. C'est pas un quartier seulement, c'est un continent.
Le 17e, c'est le seul endroit que tu chopes avec quelqu'un, là, maintenant, il tourne le dos, il te chope sans rien. Mais est-ce que c'est quoi? Les mêmes personnes qui étaient au fiancé en train de dire, oh, madame Tchalinkola, c'est les mêmes qui passent le temps dans le restaurant de Céline. Hein? C'est les mêmes. À l'appeler de l'autre côté, un monde de mendiants dans la mendicité où les gens n'ont plus de respect pour qui que ce soit. Ils sont partout. Comment tu parles de la vitesse? Tu parles mettre la barre de fiancé à une femme. Tu veux que l'autre femme voit. Tu veux, mais toi, tu croyais qu'elle allait supporter ça comment? Puis vu qu'elle avait les antécédents, elle était à fragiliser. Elle disait à tout le monde que tu la menaces, mon frère. Elle disait, c'est la petite soeur de l'eau, je m'appelle Raven Biaï. Arrêtez de m'identifier à ma grande soeur. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Mais quand on va parler que c'est la petite soeur de l'eau, on va commencer à insulter Lolo. Insultez-moi, laissez Lolo. Tu prends une femme, tu fiances. Tu en vois que l'autre voit. Elle a commencé à danser comme une folle. Oh, l'amour fait mal. Oh, l'amour fait mal. Voilà où on en est. Et tu veux que tu sois venu au deuil. Tu es personne non grata à ce deuil. Tu ne mérites pas être à ce deuil. Et tu vas seulement épouser l'autre gars là. Tu vas l'amener à la mairie. Parce que vous avez fait là. Non, ne vous arrêtez pas là. Allez seulement à la mairie. Puisque vous avez laissé. Si manger maintenant l'amour. Si c'est moi l'angalais, il fuit, maman. La bague du sang, maman. La bague qu'on m'a donnée, quelqu'un est mort. Je pars, moi, si c'est moi la fille, c'est mort. Tu n'es pas abonné à la page, Dina. On ne signe pas aux gens que je suis en direct parce qu'ils ont bloqué mes pages. Tu n'es pas abonné, peut-être. Tu dis quoi, ma bonne soeur? J'ai dit que, maman, si c'est moi, la fille, même qu'on a fiancée, j'arrête la relation, là. Je te dis, hey! Ça, c'est une relation qui ne va pas nulle part, ma soeur. Vous avez un enfant, c'est vrai. Maintenant, le mari n'épouse pas le gars là. Parce que votre relation là, regarde ce qui en découle. Regarde ce qui en découle d'une relation pareille. Tu as une mille femmes dans tout Paris. C'est pas moi qui dis tout Paris. Dit que tu un baobab comme Céline. Un baobab comme un Céline. Un baobab. Ma mère disait souvent qu'il n'y a qu'un homme pour faire qu'il manque de rester. Rêve. Un baobab est tombé. À Paris, aucune fille n'a la garde-robe que Céline a. Je te dis. Aucune. J'espère qu'elles ont d'abord fermé la chambre de leur mère, hein, maman. J'espère qu'elles ont tout fermé. Hein. J'ai dit qu'ici à Paris, c'est pas les bacs Badjo. Tu sais que j'aime les trucs. Aucune femme n'a la garde-robe de Céline. Ouais. C'est-à-dire qu'en temps normal, Céline aurait mérité mieux. Mieux? Ouais. Franchement, vous pensez quand même si on ne, même ça ne va rien changer, qu'il ne parte pas. Même ça ne va rien changer, il va venir. Et c'est quand il va venir que ça changera quand? C'est quand il ira au deuil que ça changera quoi? On aime quelqu'un de son vivant, aime-moi de mon vivant. Comme ma tante était morte, les gens vont doter le corps. On allait doter le corps d'une femme qui était à mort, mon frère. Oh, la famille africaine va me tuer. Quelqu'un debout, il ne dote pas une femme. Il te menace, c'est quand tu meurs qu'on parle que prends la dot. Ya, yeah, c'est que ça, vous arrêtez. Eux-mêmes aussi. Eux-mêmes aussi. Comment qui sont les familles africaines? On ne t'aide pas. Quand tu es dans la merde, l'homme te menace, on ne t'aide pas. Le jour que tu meurs, il vient, il pleure. On prend ton corps, on dit que la dot de quoi? La dot de quoi? Et vous dites qu'il va venir au deuil. S'il vient faire qu'au deuil, il est fiancé une autre femme. Il a donné l'alliance. Il a mis un statut que l'autre voit. Elle a fait anévrisme cérébral. Fétiche. Vous, les filles de Paris, elle avait trop peur de la solitude. Moi, je vis depuis plus de 10 ans. Seule avec mon fils. Je travaille. Même si elle est au Cameroun, là, maintenant, je vais toucher ma pension en retraite. Je vis. Vous aimez trop vous accrocher aux hommes, vous, les filles de Paris, là. Vous, les femmes de Paris, vous aimez trop vous accrocher aux hommes. Et les hommes la pratiquent sur vous. On vous demande de prier, vous ne priez pas. Voilà, c'est la vie d'un, a donné sa vie à Dieu. La milliardaire, c'est la vie d'un, a donné sa vie à Dieu. Rêve, je ne reste même pas seule. Moi, je pratique la loi de Saint-Bruno. Comment ça va démarrer 3 500? Et je n'ai aucun problème avec ça. Ah. Reste la tuerie, tu fais péché. La loi de qui? C'est Saint-Bruno. Saint-Bruno. Un homme te dit comment ça va, demoiselle. Tu me dis 3 500. Mais non, je te dis la vérité. Pauvre femme, Nathalie. Voilà une femme qui est partie, une femme de cette accablure. Une femme que quand elle ne mettait pas le faux.
Fermez d'abord la fermez. Sérieux. La femme là, j'ai mal. On ne meurt pas de genre. Comment tu peux mourir de genre comme dans la femme à Paris qui a la garde de l'homme de Céline, ce n'est pas un débat. Céline ne mettait pas les conneries. Je suis revoltée parce que quand je vois une femme mourir de genre comme ça, mais dans vous pleurez quoi? Tu vois le monsieur là, il ne méritait même pas cette dame, une belle femme bio debout. Les gars, vous voyez même le monsieur, vous voyez la femme, il ne méritait même pas la femme là. Parce que les amis vont me dire que tu es madame telle. Non, c'est toi qu'on connaît. Ce n'est pas elle, on s'en fout d'elle. Maman, c'est toi qu'on veut. Il te maintient dans un cercle. Il te maintient dans une boîte pleine de crabes. Tu souffres, quand tu vas dormir, tu souffres seul. Ils disent que non, c'est toi qu'on connaît. C'est toi, madame telle. Celle-là, on ne la connaît pas. Disons, même s'il fait même 20 enfants avec elle, c'est toi qu'on nomme. Quand tu pars dans ta chambre, tu es seul, tu as mal au cœur. Sortez de ça. Quand eux, ils veulent venir manger chez la doyenne, eux, ils disent que oh, c'est toi que le père c'est aime. Quand ils veulent partir manger. Le lama, c'est une fille comme on l'écoute encore la qualité de langage ici. C'est qu'elle-même, elle ne sait pas. Parce que quand on t'aime vraiment, tu le sais. Il ne l'aimait pas. Elle le savait, c'est juste parce qu'elle n'arrivait pas à tourner la page et le gars en profitait parce qu'elle le payait. Le monsieur ne méritait pas parce qu'elle le payait. Elle payait le gars, un les gars comme ça là. Vous faites les remèdes aux femmes. Vous utilisez le CAF parce que tu le mets. Vous si on me voyez avec un gars, monsieur, je vous parle. Si on me voyez avec un gars, on vous dit que le gars n'a pas le bac, sachez qu'il m'a CAF. Allez vous me délivrer, parce que je ne sors pas avec un gars qui n'a pas le bac. Mais écrit que la femme ne paye rien. Elle ne paye rien. Elle a dit qu'elle ne paye rien au monsieur là. Elle ne paye absolument rien. C'est que, tu sais, on a souvent ce raisonnement qu'on dit chez nous que l'âge est déjà passé, blablabla, il y a un certain âge. La femme ne voulait plus. Elle ne paye rien du tout. Elle ne voulait plus. À un certain âge aussi, certaines femmes. Nous, les femmes noires, on dit qu'on ne veut plus, quoi, même à 80 ans. Si tu me déranges, je pars. Et ça ne chauffe pas. Elle avait peur de recommencer. Vous avez vu à quel âge la première dame française a accédé au pouvoir. Même à 50 ans qu'on y aime encore bien mou. Parce que l'on a deux pubertés. Les hommes que vous voyez, ils ont deux pubertés. Quand tu épouses ton homme, il a passé sa première puberté. Quand il va entrer à la cinquantaine et en montant, maman, tu vas voir le rélélé. Il va croire qu'il va draguer toutes les femmes qu'il voit. Il va draguer tout le monde. Il sera pubère à magie. Ne vous inquiétez pas, c'est la deuxième puberté de l'homme. C'est à ce moment-là que beaucoup de couples se gâtent. Si tu n'es pas mature dans la tête, tu vas quitter ton homme. Parce que l'homme a deux pubertés. Et c'est à 50 ans. Quand lui commence à regarder le derrière, que toi, la femme à 50 ans, tu as besoin de son amour. C'est là où la femme, alors, son corps bouge. Elle veut tout faire. Ne vous ne croyez pas que c'est fini. 9 ans de relation. Au Cameroun, on dit que... oui, elle était plus vieille que lui. Et alors, moi-même, si je suis plus vieille, je suis plus vieille que mon chéri. Et alors, ça fait oh, quoi? Elle est tous les raisonnements du quartier. Hein? Quand un garçon a plus 18 ans... Pourquoi il restait avec elle si elle était plus vieille? Macron et Brigitte, ils ont quel écart d'âge? Ce n'est que chez moi qu'on dit qu'elle est vieille. Toujours pour justifier la sorcellerie. Hein? Il faut bien regarder la vidéo de fiançailles. Tu verras qu'il y a peut-être les gars qui passaient leur temps chez Céline. Vraiment. Mais vraiment. Mais c'est les mendiants que tous les gars l'ont trouvé. La grande manquait de respect à la grande soeur Céline dans tout Paris. Mais là, tu as laissé le Dieu. La fille ne t'amène pas à la mairie. Ma soeur, on va se moquer de toi tous les jours. Tu voulais le mariage, tu vas seulement te marier avec lui. Et c'est là qu'il va te montrer le grand frère. Tu vas souffrir dans ce mariage, ma soeur. Et elle va vous hanter. Chaque jour que vous allez vous coucher, vous allez la voir. Vous allez la voir. Elle va vous hanter comme le diable hante une maison. Elle va vous hanter comme ma soeur dit. Vous allez souffrir. Tu vas voir le feu, le mariage que tu voulais là. Elle t'a laissé avec. Manger l'amour là, tout Paris voit. Si tu es sage, tu quittes dans la relation là. Parce que encore, votre histoire de tiraillement, tu l'humilies.
Elle a le cœur, elle s'est fragilisée. C'est ça qui les disons la vérité. C'est la qui a le caractère pour elle. Ma soeur, ne quitte pas. Reste dans le foyer là. Tous les soirs, tu vas voir Céline. Hey! Tous les soirs, de dormir, tu vas voir la femme là. Tu quittes. Si elle quitte dedans, c'est trop facile. Elle ne peut pas quitter. À toi, quoi, ton andana, elle va laisser seulement dans son mariage. Mais voilà, hey, vous n'êtes pas forcé, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a les hommes, il y a les femmes qui n'arrivent pas à se détacher. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, mon grand. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se détacher, les femmes qui ne connaissent pas. Nous mettons là ce caractère, mais il y a les femmes qui n'ont pas cette force. Tu veux te détacher, mais l'entourage te maintient. Tu veux te détacher, sur mais l'entourage te maintient. On te dit que non, c'est toi, quand ils viennent mendier chez toi, il te dit que oh, la mère, c'est toi que le père aime. Laisse, dis donc, laisse la fille là-dedans. Elle a fait mais la femme. Mais regarde, nous avons le jour du mariage au pays. On faisait que dire que Madame Tel, on faisait que dire que Madame Salenko, on l'appelait. Elle était sûre que c'est toi la femme. Et le lendemain, tu reçois la vidéo que tu as reçue là. Elle a fait un choc. Choc émotionnel qui lui a coûté la vie. Quand vous vivez avec un homme, il faut savoir le manipulateur. Dès le début, il faut savoir que l'homme avec qui je suis là, c'est un manipulateur. Mes soeurs, sortez de ces relations-là, non, mes soeurs. Sortez! Lui-même, c'est un longtemps, elle n'était pas plus vieille que lui. Abandonne-lui, c'est un peu un enfant. Oui, elle est pas... C'est un... Comme elle décide de porter les jeans et baisser le pantalon dans le 17e, il se prend pour les gamins. Parce que Céline, quand je vois Céline, Céline parle. Céline a trop 50 ans. Céline a trop 50 ans hein, quand je la regarde là. Le grand Maxi, elle a 50 ans. Elle a peut-être même pas trop. J'ai dit au début 50 ans. Voilà. C'est l'âge Céline part comme ça, l'âge où ma mère est partie. Maman, elle a toujours su son dos. Comme celle-ci. Ma mère est partie à 54 ans. Mais ce n'est pas le chagrin d'amour. Hein. Parce que vous êtes tout là, c'est vous-même qui cherchez vos morts. C'est nous-mêmes qui cherchons notre enfer. C'est nous-mêmes. Parce que les gars, vous voyez, les gars la pratiquent. Vous ne manquez pas, les gars la pratiquent beaucoup. Les gars entrent chez les gars maintenant plus que les femmes. C'est là que tu parles doucement. Les gars la pratiquent, mes soeurs. Ah, d'accord. Ok. J'envoie ça. Maman! Il envoie la vidéo. Il voit la vidéo. Il dit quoi? Donc le gars s'est apporté les dos et en plus il allait doter l'autre, il m'a donné, il m'a laissé. Après tant de sacrifices, langage choc. Il a insulté. Attends, attends un peu, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là. Est-ce que Kevin a insulté? Elle est fatiguée. La musique n'est pas, elle n'est pas choisie au hasard. La musique n'est pas, on peut nous dire que ok, la musique le même soir c'était le hasard, le fiançailles c'était le hasard, et ainsi de suite la mort était hasard, jamais. Regardez, regardez. J'espère que quand le gars là se couche, il dort. J'espère qu'il trouve le sommeil. Ça dit que Ndiam. Ça dit que je suis restée comme ça. J'ai dit, hé hey, maman. J'étais partie, la dernière fois que j'ai vu Céline, ça remonte peut-être à, je crois, un mois ou un mois et demi. J'étais allée manger là-bas avec Yamou, on était allé manger le poisson, le poulet brisé. On est arrivé là-bas, elle a sorti un vin rouge. Je dis que la mère, c'est combien? Elle me dit, non, Joffre, tu sais que c'est les trucs, non. Ce sont eux qui connaissent. C'est les trucs, il faut qu'on sorte le bon vin, puis qu'ils ne gâtent pas notre nom. Après, elle m'en a rigolé. Elle m'a dit ça l'oreille, on a rigolé. Elle était tellement gentille qu'on est vraiment. On a passé toute la soirée, là, on a fait l'exercice avec sa voisine aussi, Maman Gourou. Ça veut dire que hier, là, j'ai dit à Yamouk, tu vois la tenancière du restaurant qui t'avait offert la boisson, elle a décidé, mais non, comment? Elle avait quoi?
Si je te mets encore la musique là, ma soeur, ça dit quoi la musique là, dit quoi? Maman, la musique là, je ne la connaissais pas, la musique là, ma soeur. C'est une musique de, grand, de maman Guéa. Vous dites qu'on ne doit pas vouloir l'angala. On vous dit que l'angala insultait Madla, ma grande soeur, elle lui manquait de respect. Elle insultait le gars. On dit que la musique dit quoi? La musique dit que j'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. Les pleurs d'amour dans le mal de cœur. Le mal de cœur conduit à la mort. C'est pas moi qui invente. Attendez, vous mettez le son. Oh, même de poule. Oh, la chair de poule. Voilà ça. C'est un son de Néa la route. Allô? L'an plus 09. J'avais beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai peur de la suite. Yes. Imbécile l'amour. Ce son, c'est éteint. Ça veut dire qu'allez écouter, vous me rendrez en même temps hommage à Nguéa Laroute et à Céline Ladoyenne.
Je te dis, le titre, regardez, ça s'appelle Sengéa la route Naniwa Mbongo. Et après, vous pouvez mettre, elle me met là, surnommer ça le l'hymne de l'amour. Je te dis, hein, si tu tapes Sengéa la route, l'hymne de l'amour, tu vas avoir ça. Mm. Je te dis, c'est Ngame Maman. Ngame Maman. Eh, aïe, 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 aïe. Aïe, non, hey, maman. Les femmes de Paris, vous devez trop forcer. Vous aimez trop forcer l'amour, les filles de Paris. Toi, tu nous dis que non, il faut que je sois en relation. Il faut qu'on dise, tu vois une fille de Paris qui passe sortir avec un homme, tout le monde a vu l'homme avec une autre femme. Mais le lendemain, on te voit avec lui. Pourtant, il n'a pas encore terminé. La relation n'est pas encore terminée. Mais on te voit avec lui. Tu n'aimes pas de personnalité. Elle vient se rivaliser à toi. Je te dis, elle vient t'insulter, Marie. J'espère seulement que tu vas te marier avec l'homme-là. Tu ne laisses pas obligation d'apposter with him. Tu ne laisses pas l'homme là. Hein. Elle doit rester sauf quand elle le père là. Elle doit rester. Je te dis. L'homme, la femme aussi, elle va vous hanter dans. Eh, bien, Zangoula. Maman, elle va vous hanter. Je dis à elle, mon soeur. Donc, parmi les amis de l'Angola, il y a personne qui peut donner un coup de poing. On n'a que quitté notre soeur. Elle n'avait pas de frère, mon frère. Il y a personne qui voyait qu'elle souffrait. Bonjour, tu dis que quoi? Tu dis que quoi? On dit qu'elle venait d'avoir un peu, qui venait d'avoir un peu d'argent. Enfin, il y a eu le groupe de cérémonie. Elle se plaignait depuis là. Elle n'avait pas de frère qui pouvait vraiment l'aider à sortir dans tout ça, ma soeur. Ah, maman, c'est compliqué. Moi, mais une dame comme Céline, elle aurait pu prendre même un blanc. Mère de ses vies, oui. Je te dis, une belle femme, la doyenne. Et elle, encore. Et le corps de la dame de son, une dame de son âge. Mais je dis à elle, soeur, quand une femme même a un choc pareil, excusez-moi, il faut que nous-mêmes on essaie d'en tirer des leçons. Et on voit comment on peut se comporter quand on avait nos frères ou bien nos soeurs, nos amis. Quand une femme a un choc pareil, on ne la laisse pas passer la nuit seule. On doit quand même rester avec elle. Peut-être elle dit que non, ça va aller, tu peux partir. Tu forces, c'est ça, tu restes. C'est justement pour ça. Là, je me dis que ça va aller, tu peux partir, je vais m'en sortir. Je t'ai dit. Eh non. Mm-mm. Je t'ai dit que chacun de vous, les gars de Paris, vous gérez les femmes. Voilà la gérance qui a mené au deuil, à la mort. À la mort. La gérance des femmes a mené à la mort. Vous demandez que vous gérez les femmes à Paris. J'espère que vous allez en tirer des leçons. Et tu vois les deux femmes s'insulter, se mépriser. Tu n'arrêtes pas la fin de la récréation. Tu ne siffles pas la fin du match. Tu vois les deux se déchirer. Tu regardes. Non, quand c'est des filles comme ça, c'est pour dire qu'il est un vrai gars. Un vrai gars. Eh, gars. Moi, vous avez dit que maman, à un certain âge, même mes soeurs, prenez-moi. Tu ne vois même pas ta contribution, reste avec ton argent, ne pas par ce deuil. Si tu crois vraiment qu'il y a un créateur qui existe, ne pas par ce deuil. Oui. Tu as trop menacé le cœur de la femme là. Tu l'as trop malmenée. Par amour pour toi. Comme tu sais où tu es entré. Le mal de cœur fait mal à l'amour. Attends, tu sens comment elle danse, comment ça fait mal. Non, on peut faire ça. Ceux qui vont aller conseiller les enfants de la femme de laisser l'homme là venir à ce deuil, vous êtes des sorciers sans réception. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une fille de la dame là qui déteste le monsieur là, ma soeur qui ne vient pas au deuil de ta mère. On dit que ça va changer quoi? Ça ne va rien changer, mais qu'il ne vienne pas. Laisse-la. Avec son remords qui reste là-bas loin, ça va le ronger. Il va s'expliquer avec Dieu. Qu'il ne vienne pas au deuil de ta mère. Ça changera quoi s'il ne vient pas? Elle est morte, non? On sait, mais il ne vient pas. Mieux dit seulement le traumatisme là. Six ans long. Six ans non. Parce que le sorcier a souvent les remords, ma soeur.
Wonga, vous l'enfant, cri. Maman, quand vous avez certains, quand tu as fait tes enfants, tu as atteint un certain âge, prends un blanc, tu finis ta vie avec un blanc qui n'a plus besoin d'enfant. Tu finis ta vie dans la paix du Christ. Parce que les gars camerounais, ce qu'ils font là, il y a les relations, quelqu'un s'aborde, tu dis qu'ici, là, je ne me mets plus jamais avec un de mes frères. Même si le blanc a 80-100 ans, tu le prends. Même s'il a 80-100 ans, même s'il a marché, tu le prends. Il ne te dérange même plus de boire le café avec toi. Hein. Vous regardez la télévision, là, ma carte. Il ne te dérange même pas que mon corps fait que masse moi. Sinon, pas ce problème. S'il veut se masser, il va t'amener dans un centre. Vous allez vous faire masser. Hein. Il ne dérange pas. J'ai décidé de ne plus souffrir pour l'amour, les pleurs d'amour, dans le mal de cœur. Le mal de cœur conduit à la mort, l'intention fou. L'amour de Roméo, la roue de Roméo et Juliette, les temps ont changé. Les femmes de Paris aiment trop forcer l'amour, même si ce n'est pas elles. Non, vraiment, vous êtes ça. Je vois certaines femmes à Paris là, je les regarde, on ne peut même pas vous respecter. Mais tu es assis à côté d'un homme, tu dis que moi, je n'ai pas aucun respect. Vous voyez, tu ne veux pas l'engager, le monsieur dit qu'il est avec telle femme. Vous n'avez aucun. Personne n'apprécie, on ne vous dit pas la vérité. Tu vois un gars, pareil, tu regardes le monsieur, c'est quelqu'un. C'est pas le monsieur, c'est qui est avec. On vous méprise. Quand vous êtes assis, la première fois qu'on vous donne, c'est le mépris total. Que Dieu fait longue vie. On va voir qu'on reste. Et foula ne barra maman. Non, dis donc. Voilà Patricia qui est sortie de sa relation toxique. Elle s'est mise avec un blanc. Vous allez vous signer sur les mêmes gars. Vous tournez avec les mêmes gars, ma soeur. Quelle honte! Mais vous prenez les déchets des hommes. Quand l'homme finit avec tel, il devient un déchet. Tu aussi, tu le ramasses, dis donc. Tu prends le after use. Tu ne prends pas le after use, mon frère. Si tu m'as perdu une fois, tu me perds pour toujours. Plus jamais. Regarde même la qualité du gars. Il y a mon main à midi, je mets à midi 5. Il met à midi, je dis que tu es blanc chez moi. Vous me laissez encore en vie. Vraiment. Les gars avec les ventres, les gros ventres des gros ventres. Regarde votre. Ils aiment les noms compliqués. Hein. Ils aiment les gros compliqués. Hein. Tu te prends la tête. Hein? Il y a un gars dehors. Regardez le gars debout, plat. Ce n'est pas les gars qui vont ronfler, péter dans tes oreilles la nuit pendant que tu dors. À cause de la maladie. Ils ronflent. Un homme t'amène à boire. C'est souvent les relations là qui amènent les femmes à boire. Tu vois une femme qui venait du Cameroun, elle ne touchait pas l'alcool. Elle arrive à Noël, commence à devenir soulade. Parce que les hommes, là, la tête, ça te fait dormir un peu. Il vient, il mange. C'est lui qui vient toujours avec les cancans nourriture. Il a des il mange. Comme il sortait de la prison. Il n'y a pas le piment dans la maison aussi. Pour un jour, il dit, mais Lolo, oh non. Eh bien, oh, il conseille, laisse ça. Il mange, il ronfle, il fait. Il dit que tu n'as rien au congélateur là pour moi. Imbécile, si tu as fait les courses, quand il n'y a rien au congélateur pour moi. Tu penses comment fouiller au congélateur. Après, pendant que tu oublies qu'il n'y a pas de piment à la maison aussi. Depuis qu'une femme n'a pas de piment chez elle, pas le mot. Un vrai gars. À minuit, un homme m'a dit de manger un peu de whisky, va le faire dans sa maison. Un gars, on mange un peu de whisky. Que Dieu nous en garde, mes soeurs. Vous avez. Peut-être pas. Papa, il est mort, je suis pas le vin, tu m'as goûté. Même toi, quel vin? Quel vin? Il boit le vin. Il mange avec le whisky. Tu vois avec quel vin? Il boit avec le vin. Ouais, les gars, avec le piment. Il n'y a pas le piment ici, là. Il n'y a pas de piment chez toi, ma soeur. Un gars te drague après une semaine, il te dit que, hey gars, tu comptes, il faut que je prépare le dolé, tu prépares le dolé, viens manger. Alors que les dragons, tout était mauvais. Tout le long, je te jure sur la tête de mes garçons, je suis devenue allergique aux gars camerounais.
sans zéro manière. Un gars te fait les avances. Il ne va pas t'inviter au restaurant dans les bons endroits pour t'impressionner. Avec tout le à peine il t'a zagué, à peine il t'a dit que tu ne peux pas le doler et viens manger. Moi, je n'ai pas le problème, c'est la force. Ils aiment aussi préparer le couscous gombo. Ils aiment manger. Gars, ils vont quand même le gombo et viennent manger. Aïe. Lolo, il va venir manger de rêve. Manger. Si tu ne chasses pas, il va vouloir dormir. Comme il mange, c'est comme ça qu'il pète la nuit. Comme ça qu'il ronfle comme un camion sur la pente de Yaoundéré. Et Philippe, arrête. C'est le gaz. On vous méprise. On vous méprise. Tito. Couscous manioc, couscous bombo, tu m'appelles à 20h que rêve, fais-moi le couscous, ça a commencé comment? J'ai fait le couscous que je suis malade. C'est tout qu'on fait un mois, moi, chez moi, un mois par là, que la fille attend d'entrer dans ce restaurant. Elle était gringo, non? On lui dit seulement qu'elle va continuer, c'est vrai, le père là. Le mariage là ne doit pas s'arrêter. Je te dis. Eh bon, c'est, Chimé en état quand vous bouillez. N'est-ce pas passer le temps à se rivaliser en douane? À se rivaliser, maman. Le corps de la femme a subi tellement de chocs émotionnels. Seigneur Jésus. En vérité, on dit qu'ainsi que tcha. Dieu a changé la terre. Prends-le. Va avec lui. Prends-le, ma soeur. Garde-le bien. Vous l'avez tellement humilié. Garde-le bien, ma soeur. Vous l'avez humilié. Maintenant, tu l'apaises avec qui tu le gars là, qui ne te trompe plus jamais. Mais s'il te trompe, garde-le bien, maman. Elle t'a laissé avec, prends-le. Parce que quand venait la relation, il était en relation avec cette dame avant de te connaître. Tu es venu, tu t'es installé, pas avec lui. Elle est partie, elle vous a laissé avec. La vie n'est rien. Ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas gagnante. Va avec lui. Elle a été vaincue. Vous avez gagné. Partez avec. Père à son âme. C'est que Boucha. La doyenne, elle se repose. Tout ce qu'on parle maintenant, la doyenne n'entend pas. On entend. Elle n'écoute plus. Elle est dans un silence absolu. Maman. Elle dort. Maman. Que la mère pile moi le bon tarot, la soeur jaune. Regarde, je suis putain la mère pile moi le bon tarot. Le bon tarot, c'est un. Pile moi même le tarot, il va passer mes amis. Il ne prend jamais le soleil. Il ramasse leur bande du 17e. Il n'y a pas un pour pousser les banques sont devant comme ça. Ils mangent, ils t'appellent la mère. Comme ils sortent chez toi, ils partent chez l'autre. Ils mangent, ils appellent la mère. C'est sous maman, j'aime ça. Il y a un truc qui m'énerve. Quand l'on m'appelle la mère, je peux mourir. Je dis que l'affaire là m'énerve du cas. Quand l'on me dit la mère, oh, je commence à... j'ai un blocus. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas le mot là. Je ne sais pas toi qui m'appelle la mère. C'est pourquoi je n'aime pas le mot là. J'aime plein de me dire la mère. Tu as raison de ne pas aimer. Regarde, Paris aime le mot là. La mère, c'est que tu es heureux du mot là. Tu as raison de ne pas aimer. Où va se mettre? Un lundi. Non. Je pense que même ça, je pense que cette histoire, s'y doit. Même dans la tête des gars, la soirée, elle fait un déclic. Tu te dis. Vous savez qu'un homme vit avec une femme. Vous appelez Madame Saleko. Vous n'avez pas honte. Apprenez vos soeurs à sortir des relations toxiques. Vous avez des soeurs, non? Il avait épuisé Jojo. Il avait épuisé cette femme. Il n'a pas de sentiment. Vous m'avez dit, les Camerounais laissent ce monsieur assister au deuil. Il veut confirmer l'hypocrisie de l'homme noir. Ne passe pas là-bas, mon frère. Ne passe pas là-bas. Parce que les gens écrivent, il y a que non, ce monsieur a fait ceci, il a investi pour ce restaurant, ne l'insultez pas, ne faites pas ceci, cela. N'est-ce pas, s'il a investi, le restaurant a les papiers, il y a les papiers. Est-ce qu'en France, on est couleur, blablabla? S'il a investi dans les statuts, il doit être actionnaire du restaurant, c'est dans les statuts. S'il est actionnaire du restaurant, ça doit être dans les statuts. Maman, là, ne mourrez plus une durant mes soeurs. J'ai encore une heure. Maman a encore fini, mais une heure de travail m'assiste tout. J'ai rendez-vous à une heure. Ne mourrez plus une durant. Ne mourrez. T'as dit que quand
quand tu meurs, hein, l'amour n'est pas un sacrifice. Moi, je vois mon pasteur dire que l'amour, c'est se sacrifier. Mon pasteur, que je ne suis pas d'accord. L'amour, ce n'est pas se sacrifier. L'amour, ce n'est pas se sacrifier. Parce que les hommes manipulateurs, là, ils disent, il y a ce qu'il avait appelé la défense, c'est gaslighting. Gaslighting, ça veut dire que l'homme te manipule, te fait croire que c'est toi le problème. C'est-à-dire qu'il commet une faute. Il vient te blâmer. Pourquoi tu crois que c'est toi qui étais la cause? Qui l'a poussé à pleurer? Tu sais, tu demandes à Dieu de faire la manipulation. Moi, j'ai à lutter pour une histoire. Donc, j'ai dit ça à l'enfant, Lia. Un homme va faire l'enfant avec une fille, ça veut dire qu'il n'a plus de retenue. Ça veut dire qu'il n'a plus d'intimité, il n'a plus de limite. Il m'a déjà plus exactement. C'est tout. Les femmes de l'Europe, vous n'aimez même pas votre propre corps. Vous n'aimez pas ce qu'on appelle la dignité. Ton amour propre, ton amour intrinsèque. Moi, qu'un homme humilie déjà, j'ai du mal à me déshabiller. Comment vous faites? Comment vous faites? Tu commences à avoir un blocus. J'ai du mal. Comment vous faites pour pardonner un homme qui paye à faire le mouna dehors? Il revient encore. Après, il continue la relation. Non, apprenez à dire non. C'est qu'il est sûr que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va vous faire oublier la cicatrice que vous avez eue avec lui. La blessure. Il y a quelqu'un qui va vous faire oublier cette blessure. Pas marié avec lui. On épouse le genre là. On épouse le genre là. Qu'un homme va déjà faire le mouna dehors, ma soeur, il t'a déshabillé en public. Il t'a déshabillé en public. Oui, il t'a déshabillé en public. Il t'a déshabillé en public. Comme ça que nos parents disaient. Ah, tu veux que dire? Il a mis tes fesses dehors. Je te dis. C'est ça. Nos parents disaient que Mathieu Tounouchouna. Hé, je suis fatiguée, maman. J'ai fini de travailler tard la nuit et tôt ce matin. Quand on fait de l'enfant dehors. Nous, on a vu nos parents qui sont restés avec la femme. Je n'ai pas entendu que mon père a fait l'enfant dehors par ces deux femmes. Parce que je ne comprends pas comment vous faites. Quand un homme fait déjà l'enfant dehors, ma soeur, même si tu supportes, il t'a déjà humilié. Dans ton fort intérieur, tu te sens humilié. Et en plus, la femme te montre que j'ai fait l'enfant avec lui. La femme te montre qu'elle continue la relation avec lui. Tu restes fait quoi, ma? Mais laisse lève aussi le feu, tu pars. C'est qui est-ce qui est un tonton dehors qui t'attend? C'est qui est-ce qui est un tonton quelque part qui t'attend pour essuyer tes larmes? Vous n'êtes pas le goût qu'on essuie vos larmes. En tout cas, moi, je ne suis plus dedans. Moi, j'ai trouvé ma solution. J'ai la loi. Non, reste avec ta personne, ma. Je t'encourage. Je reste avec ta personne. Moi-même, maman, si j'ai une déception avec ce que j'ai maintenant, là, plus jamais, c'est le what lave tes pieds. Maman, il va avoir peur quand tu pleures. Maman, avant de nous, c'est une veste, nous, même le lot, rêve. Oui, non, mais maintenant, tu te sens comme un gars qui vous bannit, que tu te sens sur Nanza. Mais les connards, ils parlent français, tiens le goût. Les clochards, ils te fatiguent avec les. C'est comment? Demain, après, les choyés, ils ont parlé fort, ils parlent fort au téléphone. Ils parlent fort. Ils se réveillent le matin, oui, gars, c'est comment? Oui, les poudres dorment encore. Oui, je suis Mangala. Oui, c'est quoi ça? Vous faites même quoi avec les gars comme ça? Les gars ne sont pas filtrés, mon frère. Les gars sont bruts partout. Ils parlent fort au téléphone. Même quand ils mangent, ils parlent fort au téléphone. Vous n'avez aucun moment d'intimité. Dès qu'on connaît ce bandeau, plus 20 minutes, son téléphone sonne. On ignore la peine, non, mon frère? Vous souffrez trop. Vous venez nous manquer. Vous venez nous couvrir. Vous venez l'amour. Vous manquez. Vous souffrez exagérément. Vous souffrez. Maman, mon travail. Vas-y, maman. Bonne journée. Les pauvres femmes comme ça, là. Elles sont venues en Bénin. Elles ont vu, comme si elles n'ont jamais vu d'homme. Elles sont malheureuses. Vous êtes des malheureuses, les filles de Paris, là. Vous êtes des malheureux. Vous venez en Bénin. Vous n'avez jamais vu l'homme. Les filles de Mbeng. Même l'homme, quand tu n'avais jamais sorti au Cameroun avec lui, c'est lui que tu prends, tu dis que tu fais ta part avec. Où sont tes critères que tu avais quand tu étais au pays? Tu restes avec un gars, le gars au téléphone, il crie, il mange, il dépose le plat. Il ne sait pas dire à l'enfant bon appétit. Il ne sait pas dire bon appétit à un enfant quand il mange avec ses enfants à table. Il vient te faire le mouna, nous habiter pas ensemble. Il n'arrive pas à mettre son nom dans le bail.
Les vrais gars mettent le nom dans le bail. Son nom est dans le bail. Son nom est écrit, c'est écrit dans le bail, vous deux. Comment un homme qui t'aime d'abord, son nom doit être dans ton bail. Il ne doit pas venir là en cachette, il part. Quand le social vient, il se cache. Quand le social vient, tu caches ses chaussures. Tu caches ses vestes que le social ne voit pas. Toi-même, tu es en mariage. Ma soeur, tu es en mariage. Que tu vis avec un homme, dès que le social arrive, il cache, tu commences à cacher pour qu'on croie que tu es mère seule. Quand le social repart, vous appelez vos assistantes là, à Paris. Quand l'assistante repart, tu remets ses vestes. Tu crois, donc, dans ta tête, tu es dans une relation. Tu as vu un homme au Cameroun faire ça. Et pendant qu'il est avec toi, j'ai un petit. Moi, j'ai ma copine au pays. Son gars paye sa maison 200 000 au mois. Mais le gars, la vie a bien fait à Paris. Elle m'a donné le nom de l'angare avec qui vit à Paris. La maison à Paris, il n'a pas son nom dans le bail. Mais il paye la maison à ma copine au Cameroun 200 000 francs le mois. Les vrais gars, ils partent donner l'argent aux femmes au pays. Vous êtes ici, vous faites le tarot pour eux, le poulet, vous pilez le tarot pour eux, vous mettez le porc, le cuit, vous souffrez pour eux. Allez au pays, la mène la petite au restaurant, elle mange, il paye. Vous êtes des lâches. Vous m'avez dit donc. Allez au pays, la mène la petite au restaurant, il chope, il paye. Mais si là, c'est toi qui mets le pain au feu, c'est toi qui mets le tarot pour lui, la sauce jaune, le cuit, ma copine assise au pied, me dit qu'il est venu, tu bien ses dos. Il paye la maison de ma copine 200 000. Il a donné 5 millions, il a ajouté 5 000, il a payé sa voiture 10 millions. Il connaît bien Sanga. Il vit avec un gars à Paris. Elle est sûre qu'elle est trop mariée. J'ai pitié de toi, hein, ma soeur. Ton gars a donné 5 millions à ma copine de payer la voiture. Et il paye la maison tous les mois 200 000. Pendant ce temps, tu payes le tarot pour lui tous les jours. Je ne pile pas le tarot. Ma mère n'a pas envoyé ce que je pile le tarot, non. Elle n'est pas cherchée, ma route pour venir piler le tarot, non. Mais ne pile pas le tarot, non. C'est dès que le tarot que tu veux m'épouser pour le tarot, là, tu ne l'auras pas. Bon. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi le direct. Mes soeurs, soyez sages. Sortez de ces relations toxiques. Nous, on est seul, on vit seul, sans homme. Mais on n'a aucun problème. Vous voyez avec les hommes là qu'on voit l'homme quand il était sur Facebook, on a vu la photo une autre fois, on te voit avec elle, tu es méprisable. Tu es méprisable, pardon. Aucun respect. Tu acceptes de lui quand tu es une femme. C'est le mépris total. Réfléchissez bien. Même moi travailler.